Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous tous? Je suis ravi de vous retrouver, je suis en compagnie de l'ami Cédric. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les chats, bonjour Ced, bonjour Pascal, bonjour Mika, bonjour Mélissa et bienvenue à toi Mélissa. Bonjour mon Pascal, bonjour Massé, bonjour Clem, bonjour à tous, ça fait très plaisir de vous voir. Merci déjà aux 10 pouces bleus, vous êtes des oufs. Comment allez-vous tous? On va partir in-game, les amis. On est en train de faire des rations avec l'ami Cédric. Hop, il m'a rejoint pour remplacer Manu. Et merci aux nouveaux abonnés. 486, ça fait très plaisir, merci à eux. Moi, ça va, Clem, merci. Plaisir de vous voir tous ici. Et on est à moins 14 de mon objectif. On est pas mal, les amis. Comment tu vas depuis hier soir, Ced? Ah, là, t'es passé en ration totale mélangée. Ouais. Y a encore de la place, non? Ouais, il y a encore un peu de place. Je suis à 87%. Ouais, bon, on va remettre un côté. Oh, ça va bien aussi, Ced. Merci aux 10 viewers déjà. 11 viewers même. Il live comme d'hab l'après-midi jusqu'à 16h, 16h15. Ce sera le dernier de la semaine. Bon, le prochain live ce sera lundi parce que mardi je ne pourrai pas. Plein, c'est vrai. Je suis à 93, tu veux en remettre un? Ouais, j'en remets un comme ça, c'est fait. Et puis, hop, ça c'est bon. Bon. Papy et Flo ont dû jouer dessus, ce qu'ils ont avancé le temps jusqu'au mois de juillet. Ouais, je suis à 100%. J'ai loupé le coche par contre pour le soja. J'avais un peu de soja à moissonner et il était à plus de 6000 euros. Là il a redescendu 5000 et quelques donc ça attendra l'année prochaine. Toc. Ils ont avancé le temps, faut que je regarde dans le marché de l'occasion qu'est-ce qu'on aurait à vendre. Il n'y en a que 4. Il y a un Massé à 82 000 balles, il fait combien de chevaux? Ah. Pour 82 000 euros, est-ce que ce serait raisonnable? Je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point. C'est quoi comme massé? 7 700. Ouais. À 82 000 Bah. euros. Ton John Deere là, le 8200, il fait combien de chevaux? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Oh, un Massé, c'est toujours raisonnable. Ça, j'imagine, en ayant le pseudo là, Massé, c'est sûr que c'est raisonnable. Il fait 202 chevaux, celui qu'il a actuellement. Et l'autre, il peut monter jusqu'à 285, on est d'accord. Bon, bah, tes deux stabulations de vaches sont remplies. Ok. Là, il est déjà en 210. Comme on l'achète, il est déjà en 210 chevaux. Ouais. Et si je rajoute 15 000 balles, je peux déjà l'avoir. Si je rajoute 21 000 balles. Et si je rajoute 30 000 balles, je peux l'avoir en 280 chevaux. Salut Fredo! Donc ça me ferait une facture à 112 000 euros. En rajoutant un plus gros moteur. Sur le John Deere? Non, sur le Massey. Ah, sur le Massey. Ah, le John Deere, je sais pas, tiens, je sais pas si on peut le monter. Parce que en fait après faut voir selon les largeurs de ton matériel quoi. Bah, il va évoluer, hein. C'est pour ça que Ouais. là ça devenait intéressant.
je vais le dire, configurer. Là, il a un 202 chevaux. 206, 211, 225, 230, 235. Ah, le John Deere, je peux le monter en 270 chevaux pour 13 000 balles, quoi. Ouais. Donc, ouais. Yes, yes, yes. Ouais, non, en fait, il vaudrait mieux augmenter le John Deere, quoi. La limite. Bah, oui, plutôt que d'investir 85 000 balles dans ton... Ouais, ouais. On fera ça quand on va investir du plus gros matériel. Sachant que, ouais, je compte investir au moins dans du 5, dans du 4 ou 5 mètres en ce mois, quoi. Et est-ce tout à fait Clem, plus rentable, je viens de dire. Salut, le JD est moche. Flo qui dit que le JD il est moche. Comment il va, mon Flo d'amour? Comment il va, Mika? On va sectionner la fourche. Tac, on dételle. Hop. Alors du coup. Je sais pas, tu m'as dit du SMI tout à l'heure. Ouais, je vais te laisser le petit John Deere, tu vois, le 3 mètres, tu pourras le tirer avec. Mm-hmm. Bah ça va aussi, Mika. Comme ça, moi je vais aller continuer la moisson, là, j'aurai la... je pourrais prendre la benne 3 essieux. Ça te dérange pas, je te file le petit John Deere. Ouais. Hop. Je te montre la route, du coup. Ouais, parce que là je sais pas trop par où on sort. Allez, c'est parti. Et normalement, papy, quand il va arriver sur la partie, il va venir acheter des betteraves. Il veut m'acheter des betteraves. J'ai dit ok, pas de soucis. Et attention, on va tourner à droite. On te voit sur la partie après-midi, mon monsieur, monsieur Flood. Bah attends, parce que faut que je récupère le semoir. Ah mais il est là, le semoir, justement. Ah d'accord, ok. Là c'est la deuxième partie de la ferme, c'est le côté plus céréalier, quoi. Moi je te rachète. Non, 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 Flo, non, 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 non. Hors de question. Yes. Sachant que là j'ai pas la bourrée. Est-ce que tu auras besoin de la herse? Ou pas? Il se met, il fait semi direct sans l'herse ou pas? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. Ouais, il faut que tu prennes la herse qui est là, plus le petit potting gear. T'as vu le fermier du 80, comment tu vas? Et du coup, il faudra aller semer le 34. De toute façon, moi, je vais y aller avec ma benne. Et on avait du tournesol au-dessus. Bah écoute, super, ça va aussi, merci. Ouais. On avait du tournesol et du colza. Du tournesol et du colza. Dans un, il faudra planter du soja. Et puis dans l'autre. Dans l'autre, un maïs. Tu choisis. Ah non, parce que là, tu auras celui-là. Colza. Et puis, est-ce qu'il me reste assez de blé ou d'orge pour les poules? Donc là, j'ai assez de semences, je pense. Donc tu m'as dit. Dans les champs. 34. Alors, 34. 34, ceux qui sont 34 à gauche, là il y a tourné sur les colza. Il y en a un qui faudra semer en soja, et puis l'autre sème-le en colza. Ouais, soja, colza. Okay. Soja dans le tour, soja dans le celui qui est en colza, et le tournesol en colza, du coup. Ouais, ok. Rebonjour Cédric, et bonjour ceux que j'ai pas vu. Romain, merci Cédric, m'aide beaucoup. Ah bah c'est cool ça, le famille du 80, Cédric t'aide beaucoup. Ouais, j'ai oublié de te dire, oui, qu'il y avait un petit un abonné qui allait te joindre parce qu'il avait pas un truc. Oui, non mais après j'ai vu qu'il me qu'il m'avait contacté, donc du coup je lui ai répondu, quoi. Merci. Si on peut s'entraider, c'est normal. C'est ça.
Parce que je savais pas que tu pouvais mettre un certain nombre de MO de d'objets ou je sais pas. C'est comme pour les, en fait c'est comme pour les mods quoi, au-dessus d'un certain d'une certaine taille ça pose des problèmes. D'accord. Alors, tu m'as dit 30. Et t'en es encore loin sur la ferme limousine de... du détail là ou quoi? Niveau plaçable et tout. Oh bah oui, oui. Bah en fait moi le truc c'est que comme j'ai mis beaucoup de trucs en plaçable, du coup mon i3D de map est pas très gros quoi. Mmh. Du tournesol, on avait ça en stock, le tournesol. Et j'ai ça aussi à mettre en Alt O, il est pas activé. Aiglé au plus haut, voilà. Normalement si je refais Alt O, non on s'en fout, Alt O. Il est réglé, tournesol. Non j'ai pas fait OK. Aiglé au plus haut et OK. Il faut que j'essaye le mode de Romain où il y a tout qui est mis là, à savoir ce que t'as dans ton silo, à quelle époque tu le vends. Mais tu l'avais pas déjà ce mode en fait? Non, moi celui que j'ai, c'est, ça met une alerte quel mois tu vends en fait. Ouais, ok. Mais les deux, s'ils sont compatibles, ça peut être bien. Mmh. Parce que du coup, tu te mets une alerte et en plus, l'autre, il te dit à quel point tu vas vendre. Tu te fais pas chier. Peut-être que tu peux mettre une alerte aussi. J'ai pas testé encore sur Romain, mon envoyé. Je sais pas si tu l'as testé, Romain. Avec la belle baie de maître qu'on a acheté l'autre jour en occasion, ça valait le coup. Ça là on a fait une affaire par contre. D'accord, je regarderai. Je l'ai pas acheté cher pour une 3 essieux. Là je reconvertis la map, la campagne des deux sévriennes. 19. Elle était pas sortie sur le 22 les deux sévriennes là, que c'était un scandale. Qu'il y avait rien dessus. C'était un No Man's Land, je t'avais pas montré Cédric. C'était pas les deux sévriennes. Je sais plus. Le mec il avait pris No Man's Land, il avait mis un point de vente par-ci, un point de vente par-là. Quelques champs. Et puis en avant. Mais sinon, bon, la campagne sévrienne. Ouais, c'était un truc comme ça, Romain. Merde, je viens de passer le champ que je devais moissonner, moi. Non, il est là. Et alors, par où on rentre dans tes champs? Ah. T'es où? T'as trouvé? Trouvé. T'as trouvé? Pas vu, pas pris. Pas pris, pas vu. Allez, la belle moisson. Ah ouais, moi. Il me dit... D'accord. T'as été voir ce matin, Cédric? Ah non, c'est des mauvaises herbes. C'est dans le tournesol, il y a encore du tournesol. Ah non, il y a des mauvaises herbes. Ouais. Donc on a dit que... Ma mémoire vacille. Dans le colza, tu mettais du soja. Et dans le tournesol, du colza, ok. C'est ça. Ouais, j'essaie de faire plutôt varier mes cultures sur les champs. Alors, on a dit soja. En tout cas, je sais pas chez vous, mais chez nous, dans les Vosges, ce matin, c'est pas du chaud. Bon, aujourd'hui, c'est pas du chaud. Merci, Mika. J'aime bien les anciennes moissonneuses, puis surtout quand elles font du bruit. Faut que je demande à Mendes Cédric qu'il lui mette un peu plus de kilomètres-heure. Il y a 32, je me fais chier sur la route. Je suis pas arrivé au champ, quoi. Que j'ai essayé l'autre jour, et elle avance qu'à 32, donc il y a un truc que je dois mal faire. Ou qui montre comment faire, ce sera mieux. Ouais. Ça doit pas être bien compliqué, Cédric, de qu'elle aille plus vite. Hein. Non, c'est rien de compliqué. Elle a un truc que je dois mal faire, de toute façon. Je te la mettrai à 200 km/h, comme ça t'iras plus. Ouais.
Youpi! Non, mais au moins un petit 45-50, quoi. Même si c'est pas trop réaliste, mais bon. Par contre, là, pourquoi je peux pas baisser en fait? Ah bon, tu vas motionner à fond toi aussi. Ah, à fond, à fond. Ouais. Pourquoi tu peux pas baisser? Bah, je Normalement. peux pas baisser le semoir en fait. Enfin, si j'ai baissé le semoir, mais je peux pas baisser la herse. Donc, du coup, en fait. Et attends, j'arrive. Attends, tiens, je descends du tracteur si tu veux. J'arrive près du champ, donc j'ai déposé à motionner. Ouais. J'arrive. Hop là. Youh! Alors. Ah, c'est quoi ce bug? Pourquoi il veut pas baisser? Bah, déjà tout à l'heure quand j'ai attelé la herse, j'ai voulu la baisser pour accrocher le semoir et je pouvais pas donc Ah, mais je sais pourquoi. pourquoi? Pupille a remis le Saint-Pissé sur le serveur. Ah non, c'est le petit tracteur pourtant. Le Saint-Pissé, il est que sur gros. C'est quoi ce bordel? Non, la RC est dans le bon sens. C'est ce bordel. C'est problématique pour semer. Ouais, mais ça marchait avant, c'est que je comprends pas. Et en fait, il se baisse quand même. Réinitialise-le. Bon, bah, pas le choix de réinitialiser, quoi. Ouais. Super. Allez. Bah, réinitialise que la herse en fait le semoir peut-être pas bien quoi. Oh, mais t'as souci. Ouais. Parce que si tu réinitialises le semoir, je sais pas s'il reste rempli. Ah oui, pas faux. Pas vu, pas pris, pas pris. Non, le tracteur, mais pourquoi tu veux réinitialiser le tracteur, Flo? De toute façon, je réinitialise tout, il faudra aller le rechercher, donc. Crois que c'est le tracteur le problème. Salut Angiscar, comment tu vas? Pas dans le mauvais sens. Bah ça va aussi, comment tu veux? Attends, je t'ai dit manif. 29. Maintenant je peux plus l'atteler. Super. Ah non, il était dans le... Oh, et moi j'ai envie de faire dodo. On va faire dodo, Cédric? Qu'est-ce que t'en penses? À la sieste? Bah en fait t'as des erreurs sur le pottinger là. Ah. Bon, ça marche, Fredo. Ah là, il marche. Il y avait des erreurs dans la console? Oh la vache! Ah oui, défaut template hydraulique sonde. Ouais, c'est un son hydraulique. Ouais, c'est le son de l'hydraulique, c'est pas bien grave, mais. Oh, vache. Voilà, livraison à la ferme. Ma livraison au champ. Ok. J'ai des problèmes sur ma map. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Anchi? Raconte. Donc là. Ok, là, normalement. Attends. Ça marche maintenant.
Faut appeler Cédric Onji. Ça veut pas mettre de l'argent. C'est sur quelle map? Il m'a pris depuis la motionneuse. Merci. Ah non. Non non. Ah, je l'avais plus. Ah non. Rien du tout. T'as quoi comme mode pour l'élevage breton? T'es sûr pour l'élevage breton, donc t'es sur PC. T'as mis quoi, le F10? Moi le Easy Development Control, tu l'as pour l'argent? Tu joues quoi, en partie simple ou t'es sur serveur? Il faut être un admin hein, pour ajouter de l'argent. Normalement, tu te mets là, puis tu appuies sur entrée pour te rajouter de l'argent après. L'élevage breton, on l'avait par un temps et. Ça marchait plutôt bien pour ajouter de l'argent. C'est vrai. Bah oui. Oh. Les coups de satan que j'ai pris là. Oh. Je sens que Flo Aster 6, s'il me regarde, c'est qui est sur le trône si ça fonctionne pas. Peut-être quoi. Ah, si ça fonctionne pas, ça peut être un config mode. Mais je vois pas avec quoi. Si je faisais clic. Ah, tu faisais clic gauche. Ah, bah non. De rien, Angie, on est là pour ça, pour aider. Dans s'entraider. On va avoir du colza à revendre maintenant. On va avoir plein de choses à vendre encore fin. Punaise. L'hiver, ça va être génial. Au début de l'hiver. On va continuer à rembourser le prêt. Ça marche, fermé 80. Ah, c'est un mode qui fait ça, Angie. Bon après-midi à toi, le fermé 80. Puis bon courage pour le. Pour maintenir ta mob. Bonjour, bonsoir Matt, comment tu vas? Encore les merci du fermier du 80, hein, c'est vrai. Que... Merci, Comment il va depuis tout à l'heure le Matt? T'as bien mangé? Toujours des problèmes sur ma note. Quel genre de problème, Angie? Parce que sur l'élevage breton, c'est possible hein, d'avoir des problèmes. Elle est quelque peu remplie d'erreurs.
Ça veut pas supprimer des bâtiments. Ah, ah bah là peut-être un conflit de mode par contre. Yes, Cédric, comme une fusée. Soit conflit, soit c'est des bâtiments que tu ne peux pas enlever. Il y a des bâtiments que tu peux pas enlever. Quand on avait modifié l'élevage breton, Cédric, il y avait des bâtiments qu'on avait enlevés, non, sur Giant Editor. Ouais. Ouais. Il y en a que tu peux pas enlever comme ça. Faut passer par le logiciel. Eh mais Cédric, normalement, il doit se mettre comme une fusée à cette heure-ci. Je sais pas combien tu roules. 22. Ah. Et t'aimes bien se mettre à la vitesse là? Bah, pas vraiment, mais ça fait pas très réaliste, mais... Après, tu peux rebaisser la vitesse, hein. Je pourrais, ouais, mais... mais... Le temps, c'est de l'argent, donc du coup... Non, c'est parce que voilà, c'est une partie tranquille, c'est pour ça que je me le permets, mais c'est juste parce que voilà, là, c'est une partie pour rigoler, s'amuser. Il n'y a pas de règles. Aïe, aïe, aïe. Ah, si on avait la vitesse là pour semer les champs de Katia. Ah bah oui. Pourquoi mon frère il arrive à lancer sa map qui avait rien, pas d'équipement, rien. Bah alors là. Tu l'as lancé en nouveau fermier ou en gérant de ferme? Gérant de ferme, il y a peut-être des trucs que t'as rien. Ou il a modifié la map sur, sur son logiciel. Hein. On aurait encore 1 million de plus d'avance. C'est ça, hein. Je crois que ça l'énerve un tout petit peu. Ça marche, Cédric? C'est pas comme si on avait quasiment 2 millions et demi d'avance sur Credo, quoi. Ça peut vite changer, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est nous qui avons 1 million de retard, hein. De l'or noir dans la veine. Ah mais le problème c'est que pour si tu dois... Je t'ai dit quoi dans l'autre champ? Ah oui, un soja, un colza, c'est ça. Ouais, avec le sonara, c'est... Les portes... le simplicé, oui, je l'ai en chip. Il est là. Je l'active. Marcher mon activation. C'est pour l'escalier. Là c'est la porte. Bon, je me gêne. Allez les amigos, s'abonner, liker, c'est magnifique. Je tiens du petit agressif. Merci mon Giflod, merci. Ça me touche énormément. Et j'ai pas dit tu me touches énormément. Hein? Je me méfie avec toi. La chaîne de Giflod aussi, faut y aller puis s'abonner. Pour voir l'IRL. Oh oui, envie de toucher. Ouais, je l'avais dit. C'est pas possible. Vraiment que je vais t'offrir un séjour en Espagne en maison close, une semaine tout frais payé. Merci pour les 14 pouces et 10 spectateurs.
Ok, c'est magnifique cette chaîne. Merci Mika aussi, ça me touche. Moi, le simplifié, il marche pas. Cool. Bah, parce qu'il faut l'activer, le simplifié, Angie. Sur ton clavier, c'est les deux petites flèches qui sont à côté de la majuscule. Si t'as la super force d'activer, faut désactiver la super force. Oui, c'est ça, Pascal, c'est l'amour. Et après, on fera des bottes de paille que Cédric nous chargera magnifiquement sur un plateau. Pourquoi tu rigoles? C'était pas drôle. C'était moyennement drôle. J'ai deux champs à semer, j'en ai encore un à récolter. J'ai pas regardé mes goreilles, ils en sont où? Mes petits moutons. Oh bah ça va, ils m'ont produit 1000 litres de lisier. Ça va. C'est gentil. Normalement, si ça continue comme ça, on pourra bientôt faire de l'épandage de caca. De l'épandage de pipi. C'est quoi qui me reste à récolter? Ah non, c'est un soyac. C'est un soyac. Soja qui me reste à récolter. Et là où il y a quelque chose à récolter? Mais oui, il y a encore. Il y a deux soja. On aurait pu se faire des cacahuètes en or, quoi. Parce que là, le soja, il est à. Non mais elle est trop bonne, hein. C'est 100 euros la tonne. Non, non, 700 euros la tonne perdue, ça fait trop. Là. Sur 7 tonnes, ça fait 7000. Ah non, non. Bon, tu as désactivé la super force. Bah moi c'est le la super force, je l'ai avec le lumberjack, donc c'est double halt pour l'activer, double halt pour le désactiver. Après, si c'est avec le F10, bah faut faire. Moi, si c'est avec le Easy Development, c'est dans le menu du Easy Development. Après, si c'est le mode Super Force, je sais plus si tu peux l'activer ou le désactiver. Et là, j'en ai marre. J'ai un coup de bord, hein, cette fois-ci.
C'est calme, c'est beaucoup trop calme. Merci aux 16 pouces. Et encore merci aux deux derniers abonnés. Ça fait très plaisir, je peux te rejoindre. Non, tu ne peux pas, Angie. Partie privée, mode privé. Et que la team qui a accès. En plus, on a des modes reconvertis sur lesquels on n'a pas d'autorisation, donc on peut pas les publier. Et c'est que pour nous. Plus des modes payants. Donc, on peut vraiment pas. Eh mais j'ai pas vu mon teint, t'es sûr que... La Riverview map disponible sur le mode hub qu'on a modifié à notre sauce, Angie. T'as quel âge, Angie? Sans indiscrétion. Mais j'ai encore des bottes à venir ramasser là, moi, c'est quoi ce bordel? Bah alors, tu fais le travail à moitié? D'accord, Angie. Ouais, je fais le travail à moitié, moi. Mon Dieu. Je suis fouchu, hein. Oh, on l'a pas eu au large, hein. Je crois qu'on va mettre une botte de moins, une botte de foin de moins dans le dans la ration, puis on mettra une botte de paille. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Bah ouais. Je vais encore faire de la paille avec le soya en plus. Ton champ de soja est semé. Ah, merci, tu gères. Déjà quoi? Par contre là ça fait beaucoup la paille de soja. Riverview map. Elle est disponible sur le mode up. Ah aussi Riverview Farm. Merci, je me suis trompé. Et ce soir on lit pas trop tard. Hein. Pas pigué, je crois. Merci pour la map Romain. Il est il vient mettre le lien Romain si tu veux, Angie. Faire un café, moi, c'est pas bien. Merci, Matt aussi. Ah, c'est cool. Ah, je suis plein. Je pense qu'aux prochaines vacances de Noël, il y a possibilité que je fasse un après-midi
un live abonné. Il est possible que je fasse ça. Ce sera que pour moi, je pense que je sais pas, on verra si c'est toute plateforme ou pas. Mais sachant que si je fais toute plateforme, va falloir apprendre à jouer sur le easy développement et sans un super fort, c'est courir vite. Et ça, je sais plus faire, je crois. Ça va être difficile. Ah ouais, non, je crois que je sais plus faire. Mais c'est que les modes pour rouler vite en moissonneuse. Mode pour rouler vite en moissonneuse, il s'appelle Working Speed ou quelque chose comme ça. Et c'est quand tu achètes le véhicule ou le. Enfin, pas le véhicule. Là, c'est la barre de coupe. Tu achètes la barre de coupe et tu peux régler la vitesse de la vitesse à laquelle tu vas moissonner. C'est vrai que si je faisais une partie crossplay. Vache. Pense pas à ça. Là, ils ont une super force, mais tu peux pas. Merci, Romain. Ah, il gère, mon Romain. Oh là là. Il t'a mis le lien, G. Et puis, non, sois pas désolé pour les questions. C'est normal, on peut pas tout savoir. Regarde ça, comment ça rentre comme dans Papa Maman. Une 3 essieux. Le mec qui a construit la benne, il a tout pensé. Le mec qui a construit la ferme, il a pensé à tout. Je me lance pas de fleurs, hein. Je n'oserais pas. Ah merde, c'est quoi pour changer? C'est U, je crois, pour... Ouais, c'est ça, c'est U. Ah bah, c'est pour les vrais, les durs, le crossplay. Tu vas voir, Matt. Je veux dire que Predo, c'est un vrai, c'est un dur, Matt. Et fiotte le pouillou. Abuse pas non plus, je voulais dire les joueurs console. Ah d'accord, mec. Merde, c'est pas la chance. Ah, oh, je suis fatigué. Ah, je me suis posé la question si j'allais dormir une petite heure et que je commençais le live une heure plus tard, j'aurais dû. Ah, j'ai un coup de barre là. Oh, il est violent. Bah, tu finiras le live une heure plus tôt, puis voilà. Ah mais c'est un coup ce que j'oublie mon fils. Ah ouais. Parce qu'encore, tu commences plus tôt. Bon, tu te dis, je me repose pendant une heure. Mmh. Bon. T'avais du mal à travailler. Tu commences le live plus tard ou t'en fais pas, c'est pas grave. Mais là, si je dis, allez, encore 5 minutes, et puis qu'au final, j'oublie mon fils. Et que c'est la directrice qui appelle. Pas vraiment le faire. Non. Le Fredo a un vrai. Ah, tu as refait ma journée, tiens. Ah bah je suis content si j'ai refait ta journée, Matt. Le pauvre, il va prendre la route pour aller chercher son fils. Moi je pense une chose, faut qu'on arrête de toujours dire des choses sur Fredo. Faudrait peut-être qu'on trouve, qu'on arrête et puis qu'on... On s'excuse peut-être. Dois-je te rappeler comment il crie? Non, non, me rappelle pas, Romain. Matt qui renchérit, qui dit c'est pas un vrai. Déjà, c'est pas un vrai chauve, alors un vrai joueur. Moi, à partir de maintenant, je ne dis plus rien sur Fredo. Waouh! Ah voilà, mon tracteur, il est pas d'accord. Quel est le con qui a mis des vues? La pochette, ouais. Non, non, plus jamais, Matt. J'arrête que de toujours m'en prendre à Fredo. Il a rien demandé à personne, le pauvre. T'as ressorti des cailloux avec la herse ou quoi? Un petit peu, ouais. J'ai des champs, là, le champ que je viens de faire, il faut enlever les cailloux.
Ah, il a rien fait, on le taquine, c'est tout, Angie. D'ailleurs, Angie, si tu ne connais pas la chaîne de Fredo, c'est la chaîne appelée Team TFB. Il live une grosse partie des soirs de la semaine. Ou le matin, là, comme aujourd'hui. Vous allez le voir, tu te fends bas la gueule. Comme chez Romain. Comme chez Cédric. Jans. Comme toutes les chaînes qui sont dans ma description, Angie. Hey mon Tintin, comment il va? Wow. Oui, allez, t'as raison. Faut trouver une autre cible en attendant qu'il cherche. Attends, qu'il cherche quoi? C'est au 17 pouces bleus, les amis. Il cherche dans le bocal. Ah mais il sait sortir de son bocal, les amis. Il fait la route pour aller chercher son fils. Prendre à des scuds. Il a tenu que ça. Prendre dans quel change. C'est le 18. Ah, je vais bien et toi, t'as un petit coup de barre, mais ça va. Quoi, t'es gentil avec lui, il trouve ça déplacé. Ah, c'est parce qu'il a plus l'habitude qu'on soit gentil. D'habitude, il envoie des... on lui envoie des vannes sur vannes. Oh, comment je peux. Non, je me décale. Apéro ? T'as été au resto, donc apéro, Tintin. Merde. Yes. Ah, c'est cool ça. T'as bien mangé, mon resto. Bien vécu. Bon, écoute, Tintin, c'est cool. Crotte de bic, mais non, je n'oublie pas la barre de poule. Oh là là là. Les trois petits roms en 10 jeux. Nickel, impeccable. Impeccable, ça, Tintin. Merci aux 19 pouces. Et t'as mangé quoi de bon avec tout ça? T'as pas le tout de boire du rhum? À 16h15, après je cherchais le piston. Elle vient de te le dire, Diron. Et crotte de bique. Tu t'en sors, Cédric? Ouais. Je sais pas comment ça sera, hein, parce que du coup, en fait. Comment dire le. La herse, en fait, quand tu la soulèves, en fait, tu sais, ça laisse un bout parfait, quoi. Ouais, ouais, je sais, c'est pour ça que je vais rechanger de semoir. Je pense que c'est la prochaine chose qu'on va investir. D'ailleurs, j'en avais mis un sur le... Je pense que je vais regarder ça maintenant pour qu'on en achète un.
Petit œuf mayo maison, après galette bien fournie et brioche perdue avec caramel beurre salé. Impeccable, ça, Tintin. Et bonjour Christophe, bienvenue à toi pour aujourd'hui. Merci pour ton pouce, comment tu vas? Et t'as Christophe qui te passe le bonjour et qui demande comment tu vas, Cédric. Eh ben, ça va pas trop mal. Alors, un semoir, j'en avais un. Bonjour à lui. J'avais mis le semoir, j'en avais mis un sur le serveur normalement. S'il est pas trop cher, je pense qu'on va le changer maintenant. C'était celui-là, c'est pas celui-là, ouais, c'était celui-là. C'était le sulky là, il est en 4 mètres en plus, on gagnerait. Salut Cédric en... Tintin, t'as le bonjour de Cédric qui dit bonjour, salut, salut Cédric en buccal qui dit. Bah salut, salut. On leur vendrait combien? L'ensemble qu'on a là, on leur vendrait combien? Le potin AG. Celui, on leur vendrait 9000. Ah bah oui, tu vas pas leur vendre grand-chose. Hein. Et celui-là, on leur vendrait 7900. Donc on gagnerait quasiment 20. Là, ça ferait un semoir à 20 000 balles. Moi, je pense que c'est raisonnable, hein, Cédric. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. C'est lequel, le Sulky en 4 mètres? Ouais, en 4 mètres, c'est le Xeos HD. Ouais, bah je l'utilise moi aussi. J'aime ouais, beaucoup. Il est pas mal. Je l'aime bien, ouais. Donc, du coup. Bon, après, ça fait gagner 1 mètre et puis ça fera plus les problèmes de. Tu vois, là, quand ouais. Tu soulèves la herse et c'est ça. Et bah écoute. Je t'invite à aller. Si tu, quand t'as fini le champ ou pas? Il me reste. Ouais. Il me reste rien à faire, mais ça m'embête ces traces que j'ai laissées un peu partout. Eh bah écoute, je l'achète. Il est disponible au shop. Et puis tu peux vendre l'ensemble que t'as. Ouais, ok. En fait, Tintin, tu ne diras pas. Ah, Christophe. Ah, comment était drôle la blague. Alors, on va observer les. Alors, elle me dit d'aller au shop revendre tout ça. Ça va. Ça prend un peu de sous. Bah, avant, je déchargerai le semoir si je peux. Et puis comme ça, je remplirai l'autre semoir avec ce qui reste de celui-là. Aussi, on fera acheter un sac de semences au magasin parce que le trigger que j'ai au. Ah, il marchera peut-être avec le sulky, le trigger que j'ai à la ferme. Alors, il dit bah nickel, mon mat, il a soufflé sa première bougie, ça commence à trotter partout. Je pense qu'aujourd'hui, à nouveau, je suis un peu. Bah, bravo! Enfin, t'as bien raison que ce soit nous qui en chie. Tout une bicyclette. Bon, ça va, on investit sans perdre trop d'argent. On gagne un mètre. Moi, je dis, c'est pas trop mal. Ça. Et une meilleure qualité de semis, je pense. C'est ça. Je pense que dans le futur, il y a j'ai une trémie qui peut aller devant. Je vois si ça fait un bel ensemble. Donc ça pourrait faire un bel ensemble quand même. Emporter et quand Rémi Sulky, si le clou il se met, ça pourrait être magnifique. Le soja, c'est l'avenir. À 6000 balles quand on va le revendre. Avec ce que j'ai eu dans les silos. Printemps, allez, un juin prochain, c'est sûr, tout est remboursé. Oh, Giflot joue à faire 1022. Attends-toi à avoir une synchro, Cédric. Ah ouais? Ok. Oui.
Je le connais, le petit Flo. Moi qui aille sur sa partie à lui, mais. On va pas être surpris sur une 5, quoi. Et puis papy, on en aura une vers 3h30, je pense. Ouais, ouais, il m'a dit aussi. Ouais. Il va venir acheter des bétaux. Je finis de le champ là et j'irai me repérer un truc à boire parce que là. Sinon, Tintin et Matt, vous voulez pas un petit café, les petits gâteaux? Non, je rigole. Content de voir que ça te... vous chattez entre vous dans le chat, super bien. Bon, on peut remettre un petit apéro hein, si vous voulez. 14h24, ça peut être l'apéro. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Bah, plutôt un digestif, c'est un. Tiens, je te l'avais dit. Ah, bah, un digestif alors. Hello Adriana, comment tu vas? Déjà avant sur une autre chaîne. Oui, je me doute, Matt. On le chante depuis longtemps. Je me doute, mais je vous taquine. Je vous aime bien tous les deux. Oh, on peut toujours se faire un petit digestif tous ensemble. Hein. Une petite Mirabelle ou une petite poire, ça peut se faire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Bah, j'ai que du whisky et tu vois, avec les dafalgans codéinés, je sais pas si ça va faire un bon mélange. Ah, bah, si, ça va faire ça, un bon verre comme la dernière fois là. Et tu seras dans le même état que le vendredi. Hein. Ouais, bah. C'est ça qui est bon. Hein. Alors, on a dit que. Ah, on peut une petite poire caramel Golden Night, s'il te plaît. Carrément. Décharger. Sinon, je suis pas contre l'idée d'une poire. D'ailleurs, on va nous prendre pour des alcooliques à force. Après, on aime bien les bons produits, on n'y peut rien. Hein. On s'est fait. Coucou Kiki, comment tu vas? On s'est fait 15 000 litres de soja dans le champ là. 6 fois 15, 90 000 euros la benne, 90 000 euros déjà dans le champ là. C'est rentable? Agri, tu voudrais venir au magasin s'il te plaît? Deux secondes, de switcher dans le tracteur et me dire si tu arrives à décharger ce mois. C'était RLI. Non, j'y arrive pas non plus. Comme ça. Oh, c'est pas grave. Ah, il y avait de la semence quand même. Ouais, ah c'est pas grave. Je l'avais fait aux e-développement, je l'avais pas payé celle-là. Donc c'est pas grave. Ah, okay. Comment ça va, Adri? On s'est fait voler dimanche dernier. Tu t'es fait voler quoi, Angie? Le 90 000 balles, le colza, l'avoine, le tournesol. Po. Voilà. Adriana, elle répond à Matt. Moi, je lui ai posé que 3 fois la question, elle me répond pas. Voilà. A priori, j'arrive pas non plus à vendre. Mais après, j'ai peut-être pas les droits. Oui, bah après, l'animal de passe admin, c'est le même que d'habitude, Cédric. Ouais, ok. Café Spéculoos. Au café Spéculoos, Kiki, tu veux pas une petite poire avec nous? Alors, Manu, comme ci, comme ça. Bon. Pourquoi comme ci, comme ça, Manu? Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai que j'ai pas pris de nouvelles. Ah, il est malade. Bien. Je peux pas vendre les véhicules, même avec les droits administrateurs. En
Tu déconnes, mais ce moir il est pété? Ben... Comment te dire? Il est pété. Attends, j'arrive au magasin à voir si jamais, mais je pense qu'il est pété, quoi. Je pense qu'il est pété. Ah oui, il est pété. Donc, hormis si t'arrives à le vendre juste depuis le menu de ton... Bah, il y aura intérêt que je le vende, sinon ça va pas le faire. Ah, c'est... Ah, d'accord, c'est en fait ce moral Pego qui a été le sulky. J'avais oui, bah oui. Ah, je savais pas que c'était un reskin. Donc la R, ça se détache aussi. Ah là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, on a perdu pas trop de sous, 20 000 balles. Transpalette, fourche, karcher, gazo, etc. Tu vois les trucs ça. Putain, la vache, je reviens pas que vous êtes fait piquer ça. Moi, j'imagine que c'est acheté par Angie. Alors oui, c'est ça, s'il mange beaucoup trop de chocolat, ouais, il a mal en bas du ventre. Bah, et qu'il arrête de manger du chocolat. Non mais voyons, tu lui as mis une fessée, j'espère, Adri. Non mais... Arrête de manger du chocolat, Manu. Ça, c'est bien. Non, non, c'est pas... On va aller faire popo aussi. Bah oui, c'est ça aussi. Et lui, du smecta, il fera liquide pour quelque chose. Bon après-midi. Merci, Christophe. À bientôt. Bisous. Et je dors, mais je sais pas quoi. Ah bah c'est normal ça, à mon avis. Normal hein. DMG, ça, je pense que c'est normal ça. J'ai mis une grande fessée. Ouais mais il apprécie aussi. C'est pas une fessée où il va avoir mal, c'est... il apprécie ta fessée. Mais je vais où moi, c'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Allez quoi Kiki? Kiki. After me, afternoon. Je fais quoi? Je ramène le semoir à la ferme ou il faut semer encore quelque chose? J'ai ramassé la paille dans celui-là. Là où je suis, où je vais aller moissonner, tu peux venir ressemer. Là c'était du colza. Ah bah, faut venir mettre du soja au champ numéro 10. Ouais, j'arrive. Ouais, c'est ça. Moi j'ai moissonné le soja qui est à côté. Et puis après, on aura du pressage à faire. Et puis du ramassage de bottes. Attends. Merde. Tu pourrais passer un coup d'engrais dessus avant de mettre de semer ou pas? Tu veux que je fasse? Bah. En fait, je suis attelé au semoir, mais je peux toujours prendre le casque à la ferme. Le casque ou le fent, je sais plus. Il y en a un qui est attelé sur le... Ah, le fent, il est attelé sur le dépendeur. Sinon, je le fais, hein, si tu veux. Non. Comme ça, on passe un coup avant, on sème, et puis on peut repasser un coup après. Ça, je suis à 100% et je reviens pas dessus. Oui. C'est cool, au moins avec Cédric là ça avance bien, on peut aller plus vite. J'ai plus de mettre des ouvriers puis de surveiller dans tous les sens. Du coup Adri, tu feras un bisou à Manu quand même. Tu lui diras que je pense à lui quand même, même si je prends pas de nouvelles ces derniers temps.
ici aux 21 pouces les amis et aux 10 viewers encore présents. Je sens que j'ai un fan derrière les fesses. Ouais. Il voudrait bien si me pousser dans la... pas... Si t'avances pas plus vite, il va te pousser. Ah, il se dessert. Oh, c'est bon. Ah, les poteaux sont pas en collision. Tu peux oh. Heureusement que papy a mis une barrière. Parce que là, il n'y avait pas de barrière à l'origine. T'es d'accord pour la porte, Kiki? Bon, bah, c'est parti, alors. Je sais même pas s'il m'en reste la poire à la maison. Il m'en reste, elle commence à être vieille. Coucou. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va toi? Bonjour. Ça va, merci, merci. Ça va mieux quand même? Ouais, ça va. Il y a Manu qui fait un peu la tête. Oh. Manu. Et je vais vous le passer. Bah oui. Manu, dors pas. Allez, viens. Il est sur le trône. Il est sur le trône ou quoi? Ouais, ça doit être ça. Il est sur le trône en train de chier et en train de dormir. Oh. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tu pars au quart de tour, mon gars. Oh, ça, c'est quand il est levé du pied gauche, ça. Ouais, aujourd'hui, je crois que oui, c'est levé du pied gauche, pas du pied droit. Ça va, mon Manu? Comment? Je te demande si ça va. Il y aurait mieux, il y aurait mieux. Il y a mieux. Il est malade. La Suisse, ça te réussit pas, hein. Tu tombes dans l'escalier, t'arrêtes pas d'être malade, et faut rentrer à Nantes. Hein. L'air t'ira mieux. Hein. C'est prévu. C'est prévu. J'expédie bientôt. Je mets un timbre. J'ai reçu un carton. En colissimo. Voilà. Tu sais pas comment rentrer, bah c'est bon. Je te mets dans le carton là, j'essaie de te plier dedans. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu as fait aujourd'hui. C'est pas ce que tu m'as fait aujourd'hui. Bah, il paraît que tu l'as mordu l'autre jour. Hein. Je sais pas. Oui, tu m'as mordu l'autre jour. Tu me comprends? T'as pas de parler peut-être. Moi, je te mords jamais. Du coup, Cédric, il a proposé ses services, Manu. Pour monter dans le JD et puis semer. Ah, il est gentil. Ouais, parce que tu veux plus rien faire. Et, mais il a chopé des points rouges depuis qu'il... Des grands boutons rouges, ouais. Depuis qu'il est dans le JD. Ouais. De l'urticaire, de l'eczéma. Oh, le pauvre. Si vous entendez un boom, les gars, c'est rien. C'est parce que j'ai assommé Adri pour qu'elle dort. Bah, bravo. Alors Flo, si tu regardes le live, ton ouvrier est en train de te faire de la belle merde. Il dit ça, il dit rien. Il a décidé de te labourer que la moitié du champ. Il y a même Tintin qui a demandé comment t'allais. Donc tu vois. Ouais. Ils sont gentils. Ah oui, on est gentils. C'est pas que je veux pas prendre des nouvelles, Manu, c'est qu'en ce moment, les journées sont pas assez longues. Non, mais y'a pas de soucis. J'aimerais bien que les journées fassent 36 heures. T'inquiète. Ah, Manu, ça va, c'est toi, il est un peu comme les poules aussi, hein, il va tôt au lit, hein. Oh. Il va tôt au lit, Manu. Ah, des fois à 10h, il est au pieu, hein. Comme les vieux. Eh ben... Il y a Tintin qui dit qu'il est passé dans ton pays dimanche. Ah bon? Ouais. Mince. Tu l'as loupé. Bah ouais. Je t'avais dit de rentrer, hein.
dépêche-toi parce que la Suisse, il y aura bientôt beaucoup de neige. Les trains, ils vont plus circuler. Tu vas être dans le caca, Manu. Surtout en France, ils font toujours grève, les Français. Hein. Ça veut dire quoi? Je voudrais voir qu'il me regardait. Il a un regard. Ça veut dire qu'en Suisse, ils font jamais grève. Non, jamais. Comment ça? 30 minutes de chez moi, tata. Maisanger, Couffé. Ouais, 35 minutes. Ça dépend comment tu roules. 30 ou 15? Ça dépend comment tu roules. Donc si c'est Manu, c'est 30. Si c'est Tintin, c'est 15. Si c'est moi, j'ai mis 10 minutes. Manu, dans sa période la plus folle. Avec ta carriole, tu vas à combien? À 200 km/h? D'ailleurs, t'en as fait quoi de ta belle voiture que je t'ai envoyée, Manu? Mais toi. Hey, c'est pas moi qui l'ai dit au départ, c'est papy quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai même pas peur. Il t'a montré sa belle voiture que je lui ai envoyée sur Messenger? Salut Michel. Il t'a envoyé une voiture et tu m'as même pas montré sur Messenger? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh. Tu m'as même pas montré? Elle est dans le groupe. T'as vu la conversation une fois? C'est pour ça qu'on rigolait comme des perdus. Non bah, ah bah papy il était sur le chiotte, il était en train de s'étouffer quand il a sorti sa connerie. Qu'est-ce qu'il a dit, Matt? Matt, il a dit salut Michel. T'as été faire quoi du coup à Tintin, à Mélanger ou à Couffé? Gars, j'ai trouvé une benne 3 essieux pas cher, Manu. Il a été dragué. Ah. J'ai payé 14 000 balles la benne, Manu. Ben. 32 tonnes 5. Ça c'est bien, impeccable. C'est rentable. Ouais, c'est rentable. On a racheté un semoir aussi, de 4 mètres, hein, parce que... Ah oui ouais. On est marre de... Oui, oui, oui. Ouais. Laisse la coupe, ça ira mieux. Oui, oui, exactement. Cool la benne 3 essieux. Merci Michel. Il sait plus travailler, agressif. Non, il est fatigué. Il a pris trop de vacances, donc ça va pas. Non, non, c'était pas des vacances. J'étais au séminaire, je travaillais. Hein. Ouais, ouais, puis t'as bien mangé, hein. Ah bah ça oui. Et t'as bien bu, hein. Non. Non, non, si peu. Quelques... Non, on a dégusté les bons produits de Normandie. Ouais, ouais. Pourquoi je fais plus de paille, c'est quoi ce bordel? Voilà, tu vois, Manu, tu regardes, tu casses tout. Non, bah à mon avis, il va falloir que je réinitialise la moisse batte parce que du coup, je n'ai rien non plus dans la trémie. Détaille ta coupe. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et tu verras, c'est ira mieux. Ah bug. Ah, le soja est réapparu. Quoi? Ah, c'est magnifique. Non, je ne peux pas parce que tu n'as pas les DLC. Ah, c'est bon, je peux. Bah, t'as qu'à me les acheter, les DLC, comme ça tu peux. Aujourd'hui, t'as vu comment tu me fais Steve? Non, mais hein, t'es gentil encore. Peut-être que je dirais oui, mais là. Je vais t'offrir les DLC. Il était. Bon, bah voilà. Mais sois gentil. Il était de passage, il allait chez sa belle-sœur à Nantes, Manu. T'as... Ah, si, oui. Je te caresse dans le sens du poil. Caresse Manu, toi. Avec toi aussi, quoi, Angie? J'ai dû louper un truc là. Moi, je. Ouais, je te jure. Non, non, le séminaire c'était bien. J'ai vu une très belle région. C'est magnifique. Le prochain, on le fait en Suisse, le prochain séminaire. Où ça? Où ça? Non, peut-être dans le Jura le prochain qu'ils ont dit, les patrons. Où ça, dans le Jura? Ils ont dit le Jura, ils ont pas dit où. Ce sera une surprise, on verra l'année prochaine. Non, c'est réaliste de monter les 23 km/h. Je vois pas de quoi tu parles, Manu. C'est le live en Suisse, il doit bugger. C'est. Ça se voit que je suis plus là. Hein. Tu faisais plus d'Andy, Andy. Tac, tu faisais plus d'Andy. Ah ouais, des fois faut des télés pirater. Ouais, mais c'est parce que j'étais tout. Ok, ça va me réapparaître devant mon nez. C'est super farming aujourd'hui.
The Magic Land. Tu vois, Manu est en vocal, il regarde, ça bug. Non. Mais, toi, je te jure, tu vas mourir en 20 ans de journée. Je vais mourir, j'ai même pas peur. Écoute, Manu, si tu veux, tu sais, tu peux aller faire dodo avec le petit, hein, si ça va pas. Non, c'est bon. Je rigolais. Ah, voilà. Oh. Allez, il a pris la mouche. Voilà. Je te tire les oreilles. Et sinon, si t'es pas ça, je te tire les poils du cul. Mon. Il y a des enfants qui écoutent, hein, cette heure-ci. Hein. Pardon. Tu crois que j'ai peur? Ah ouais, t'as pas peur. Ah ouais, ok, t'as pas peur. Et vous avez, tu as le, vous avez le coup de Michel. Je sais pas si vous voulez, vous voyez sur le chat. C'est quoi que comme culture que tu voulais dans le champ 10? C'était du colza, non, donc du soyac. C'est quoi ton vocal? Soyac. Toi Kassim, c'est toi qui a raconté ma vie. Moi j'ai pas raconté ta vie. On a demandé on a demandé de tes nouvelles, elle nous a raconté. Bah c'est vrai, ça fait 3 jours que t'es malade, que t'as mal à mon bout du bide de Mongol, va. Tu veux pas aller à l'hôpital voir ce que t'as. T'as mangé combien de kilos de chocolat, Manu? Je sais pas, ça fait 3 jours. Oui. 3 jours, 2 jours. 1, 2. J'ai mangé du chocolat. Ça se trouve, t'es constipé. Ah non. Ça risque pas, non. Je suis plein. C'est bien, ça me fait une bonne nouvelle. Tu l'as senti le coup de raquette là, Cédric? C'était moi. Bon, Cédric. Non, je l'ai senti, mais. T'as dit quoi, Manu? J'ai dit quoi de neuf à part ça, parce que. Bah. Moi, rien. Cédric, je sais pas. Tu travailles pas, Cédric? Non, je suis en arrêt maladie. Oh! Est-ce que tu as coupé mon lapin? Mon lapin. Je me suis fait bobo l'oreille. J'ai tout opéré de l'oreille. T'as fait bobo l'oreille? Ouais. Je t'ai déjà dit, faut jouer avec les chèvres. Oui. Et il les a vendus, les chèvres, depuis le temps. Bah oui. Ah, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh, tu l'as pas. C'est chaud. Non, tu l'as pas. Pourquoi? Je veux pas. Ça, c'est mieux, Cédric, du coup, ça? Parce que ça c'est mieux, mais t'as pris des gens en même temps que ça. Pourquoi tu lui as dit que t'es bébé? Ça a grandi les champs en même temps. Ouais, ah bon, je te jure. Ouais. Quoi? T'as bouffé la bande énervée là? Bah ouais, j'ai bouffé la bande énervée. Et puis, ma chérie, les poulains, ma chérie, comment tu vas? T'as pas appuyé sur la création de champs? Non? Oh, ma poulain, il y a plus de tout le monde. Ouais, c'est bizarre. Tu peux le laisser comme ça, c'était pas grave. Hein. Ouais, bah, c'est bon. C'était peut-être du champ, puis que j'ai mis de l'herbe dessus, puis que j'ai parsemé dessus. Hein. Ouais, bon. Mati, t'as répondu, Adriana. Il va. Manu est fâché. 29 000. Manu, prends pas la mouche. On a quasiment 180 000 euros de la BL. Pa. À moitié du crédit de remboursé, rien qu'avec ça. Ben c'est cool s'il va, mon mat. Quoi? Il y avait Roman tout à l'heure sur le chat, mais il dit plus rien, donc à mon avis, il a dû s'endormir. Tu reviens, Matt? Ouais, Manu lui a fait peur. A plus, Matt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas peur. Merci, Michel. Regarde. Un peu. Je me repose, ah t'as raison Romain, faut se reposer. Les gars vous m'excuserez, mais on va quitter le vocal, on a des choses à régler.
Vache, que ça marche, man. Il va régler tes choses. Et une fois que tu l'auras assommé, tu pourras revenir. Je sens que ça va se finir comme ça. Faut déjà que tu déverrouilles le téléphone. Non. À bientôt. Non. À bientôt, Manu. Bisous. Bisous. Bisous, Adri. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas, ça crée des champs, je sais pas pourquoi. Bah, c'est super, ça peut être en conflit avec un mode. Après, peut-être que l'autre il me faisait pas ça, mais c'était peut-être du champ. J'avais remis de l'herbe, mais est-ce que j'avais bien remis la texture de l'herbe et que j'avais juste mis de l'herbe? Si j'avais juste posé de l'herbe, c'est normal. Si t'avais pas fait ça sur ta partie? Remat. Bon, là ce coup-ci, après le champ là, je vais me chercher à boire. Un petit café, Cédric, du temps que je suis debout. Ah oui, allez. Noir sans sucre. Voilà. Ça, c'est un bonhomme, ça. Alors, le sucre, ça dénature le café. Au boulot, ça faisait 2 jours qu'ils faisaient la gueule. La patronne, elle leur avait pas racheté de café, c'était que du déca qu'ils avaient. Ils faisaient la gueule. De sucre pour toi, Kiki? Ouais, de sucre. Mais ils faisaient la gueule, mais ils l'ont bu quand même lors des caféinés. Hein. Un deuxième sans sucre aussi. Ah, d'accord, bah, deuxième sans sucre, Kiki, ça marche. Et toi, Tintin, Romain, Mamat, café ou pas? Pascal, le chat, quoi. Alors, qui a mangé son premier chocolat? Ah, pas moi, j'ai pas de calendrier. Noir du Brésil de préférence et sans sucre, s'il te plaît. Ça marche, Tintin? Noir du Brésil. En plus, il faut que j'aille le chercher au Brésil. Et un troisième sans sucre pour Michel. Aussi, faut qu'il vienne du Brésil, Cédric, ou peu importe. Colombie pour moi. Colombie, oh putain. Ah va, j'ai voyagé. Moi, en Colombie, c'est pas du café que je ramène. Hein. Il est blanc le café là-bas. Il est bizarre. C'est de la poudre blanche qu'ils ont en Colombie. PK, 37 000 quasiment. Ça, c'est l'effet Cédric. Hein. J'ai fait plein de soja là. Eh oui. Là, on va gagner de l'argent, les petits gars. Parce qu'en plus, que Cédric est en train de semer, ce sera poussé d'ici la prochaine vente. Ce sera dans les silos. Guatemala pour Kiki. Non, mais oui, voilà quoi. Ah, bah tu vas faire toute l'Amérique du Sud, quoi. Hein. Et du café. Iophilisé. Il est fourni par la famille Escobar, celui que tu pars. Ouais, c'est ça, Romain. Allez, en juin prochain, sur le jeu, on aura remboursé le crédit rien qu'avec le soja qu'on aura. En zone, papy, il voit pas que je passe dans sa ferme parce que sinon, à part que je lui paye un droit de passage. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'argent sur ce. Il en est où, lui? Je sais qu'il a plus de crédit, papy. Et papy, il a juste 4 millions sur son compte. Ok, d'accord. Ça marche. Et Flo, il en est à 68 000 balles.
Je pense qu'il a dû, il est en train de rembourser son crédit. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Ah, il a fait son ensilage d'air, papy, je pense. On a plus de 200 000 euros de soja. On voit que les champs que Cédric est en train de semer en soja. Ouais, on sera pas loin de plus. On va déposer la benne. Je vais déposer la benne. Je vais me chercher un café. Autre chose. Je vais chercher autre chose, je pense. Normalement, Romain, sur les coups de 16h30, 17h, va prendre ma suite s'il se sent bien. Fredo, je ne sais pas s'il arrivera ce soir. Mais devrait sûrement y avoir. Ah, si, ce soir, il y aura les mulots normalement. Oui, oui, il prend la relève. Il y aura peut-être les mulots, ou si je me trompe pas, c'est demain. On verra quand Dame Katia passera si elle passe. Fredo, je ne sais pas. Faut activer la cloche pour voir s'il va live. Il n'y a pas de live dans la TFB. Merci, Matt. Voilà. Je sais pas qui sera en live ce soir. Activez vos cloches dans toutes les chaînes en dessous. J'ai pas eu la masse, ça passait. Mais bon, ça passe. Je suis un pilote. Marche arrière pour au-dessus. Voilà. Bon allez, je reviens, je vous laisse avec Cédric qui va animer le live. Ah d'accord. Bah ça va être bien silencieux. Et me voilà de retour. Heureux. Tu t'as bien animé le live? J'ai rien fait du tout, oui. Non, j'ai pas fait de café, un petit verre de jus de pomme, la cigarette et ça ira mieux. Je vais laisser ma benne là. C'est celle-là. On ramène la moissonneuse aussi. Ça fait. Bon, bon, bon. T'es une tombe, Cédric? Mais non, il est timide, c'est tout. Et puis Matt qui dit que t'es une vraie pipelette. D'accord. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que je me suis jamais lancé dans les vidéos YouTube, tu vois. Parce que, en fait,
quand je fais du mapping, je parle pas. Et quand je joue, je ne parle pas non plus. Donc du coup... En même temps, quand tu fais du mapping, c'est dur de parler quand même. Surtout toi qui fais des choses beaucoup précises. Attention, là le patron. Bonjour. Bonjour patron. Bonjour. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça bouge. Regarde ton ouvrier, il a oublié une bande. Ouais, je sais. Le vidéo, mon soja. Je vais vider le soja, bah je vais le ramener dans ma benne qui est à la ferme, là, qui est dans la moissonneuse. Et après dans mon silo. T'as commencé à rembourser ton crédit, Flo? Ah oui, j'ai même posé un PGE. T'as posé un PGE? Ouais, j'ai gagné 1,3 million avec le soja. Oh la vache. Moi je suis content, je dis tiens, je vais avoir 200 000 balles, tu sais. J'ai gagné 1,3 million. Ok. Attends, j'ai 505 000 litres de sorgho. Oh putain. Vous êtes pas prêts. On va les défoncer. Bah ça va, ça va. Et toi? Tu te fous là, t'es pas au boulot? Bah non. Ouais, t'as. Il a dit fait trop froid. Il y en a une qui est rentrée dans sa coquille. Alors moi, je rentre dans mon appartement. Salut à tous. Merci pour les 22 pouces. Encore deux fois, j'achète des filles. Et coucou mon papy. Ah. Salut l'Américain. Ça va à l'école. Yes. Bon, il se réveille là, il est 15h. Salut grand et célèbre youtubeur Jules Voy 410. Avec ses shorts, plein de lumière, plein de musique. Ah ouais, c'est moi qui l'ai mis, MJ. T'as bien de Romain. Regarde Romain, tu te trompes souvent d'une lettre quand tu dis J-Plod. Il y a un souci sur ton clavier, je crois. Deux lettres même. Ah oui, deux lettres, oui. Ton clavier, il doit avoir un souci, je crois. Un de ces quatre, ma souris va pas. Tu peux pas, il est en bleu chez nous. Il n'y a que moi qui peux lui mettre. Ouais, je peux pirater ta chaîne. Alors, j'ai vu un nouveau truc qui est sorti sur YouTube. Quand tu programmes ton live, c'est marqué qu'on peut faire un live à deux maintenant. Alors, j'ai pas compris ouais, comment. T'as vu? Ouais. Là, je suis au téléphone, c'est pareil. Je sais pas comment ça marche du coup. Bah, faudrait qu'on essaye. Faudrait qu'on teste. Faudrait qu'on teste. Ah bon, je me trompe. Oui, oui, tu te trompes. Demande à Alerto Gogol, Romain. Au pire, il te dira l'orthographe. Alerto Gogol. Jack Fredo. Ah non. Non. Non, c'est un abonné qui relève toutes les fautes dans dans tous les commentaires que les gens laissent dans le chat. Le problème, c'est qu'il n'a pas un grand orthographe à lui aussi, donc c'est un peu marrant, quoi. Bon, on va vendre ça où, le blé, le maïs, là? J'ai 104 000 litres. On sait qu'il faut... Ah, c'est multi-écran, peut-être. Bah, peut-être, je ne sais pas, papy. Faut qu'on regarde ça. On pourrait faire un live avec le même truc, le même nom de chaîne... En faisant plusieurs activités. Et pas comment ça marche. C'est aussi pas. Ça fait trop de bruit là, mon ami. Eh. On va laver le matériel quand même. Parce que je vais pas demander à Cédric de laver le matériel. Bah non, de toute façon je le laverai pas.
Je sais pas où est le Karcher. Je sais pas où est le Karcher et de toute façon je le chercherai pas donc. Petit trou du cul. En fait, c'est pas que ça marche pas sur la ferme limousine à la TA. C'est que tu veux pas en mettre. C'est ça. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Je sais pas. Montre la ferme. Oui, deux secondes, Angie. Je te montre ça. T'as raison, c'est vrai qu'il va plus voir. Non, Romain. Non. C'est pas parce que papy t'a dit ça le jour où t'es venu jouer avec nous. Que c'est parce que le matériel se lave quand il pleut, que c'est vrai. Qu'il faut si, le faire. Si, il se lave quand il pleut. Ou faut changer de semoir. Non, il y en a qui ont changé de semoir. Ah bon? Ah, vous avez pas acheté un Lemken? Si. Il est plus efficace que Manu. Ted est toujours dans le domaine du paysagiste, même sur FS22. Ah, attends, papy. Ben non, il sème. En travaillant dans ta ferme. Ah, papy, elle est bonne ta vanne. Hashtag. C'est ça, tu revends, tu changes. Hashtag jardinier. Papy, il est en train de dire que. On est des jardiniers. Cédric, c'est pour ça. Bah oui. Bah c'est sûr qu'à côté de papy, on est petit. Donc voilà le premier corps de ferme. Angie. Et derrière la montagne, il y a les animaux. C'est le deuxième corps de ferme. D'ailleurs, papy, il y a les betteraves qui t'attendent. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est la ferme de chez nous. Et après, il y a deux autres fermes sur le serveur. Ouais, c'est moi qui tout fais. Bah, il a fait croire que c'est lui qui tout fait, mais c'est Manu qui a tout fait. Non. Un tunnel sous la montagne. Me donne pas d'idée, Romain, me donne pas d'idée, mais on peut pas creuser dedans, on peut pas faire des tunnels. Tu mets un pont, ça fait un tunnel. Alors, tu fais F10, tu actives ici et tu actives là. Et après, tu fais A et E. A pour monter et E pour baisser. Ça c'est bon. Interruptopel pour. Putain de lycée de merde de mes couilles. C'est le Jura ou c'est le Houdou? C'est bon, pardon. C'est les Vosges, Kiki. Est-ce qu'on partage une chose en commun avec Cédric, c'est qu'on a les mêmes montagnes. Eh oui. Moi aussi, sauf qu'ils sont plus bas que nous. Il n'y a pas de montagne chez toi. Ah si, il y a le Mont Saint-Michel, c'est vrai. C'est une montagne. C'est ouais. Si, c'est un peu vallonné quand même en Normandie. J'ai vu deux trois bosses dans les champs. Quoi. Et t'as été du côté plat, toi? Ouais, c'était plat vers la Gorée. Ah bah oui, t'en es chez ton frère, toi, ouais. Chez toi, c'est plus vallonné, Flo? Un peu, ouais. Et les mêmes 20. Mais oui, il y a un T au bout de 20. Faut le prononcer. Tellement merde. M'emmerde pas. Oula, c'est... Oula, Romain. Oula, faut. Mais vas-y, sors, t'as raison. Va à la sieste, Romain. Faut le boire. Ah, tout à fait, Romain. Tout à fait. Et en Normandie, ils connaissent que le cidre. Alors... Ah, j'ai goûté. C'est comme du cidre, mais c'est à base de poire. Je sais plus le nom. Je sais pas si ça dit quelque chose. Voilà. C'est super bon. J'ai jamais goûté. Ah, mais c'est sucré. C'est vachement sucré. Ouais, oui, c'est ça le problème. C'est que ça rappelle à la soif. 126 € la baise. Oh putain. Tous les outils, tu les as amenés à la ferme. Oui, je les ai amenés à la ferme.
poire et Kalva aussi. Le poire et Jack. Où Kirk qui dirt. C'est pas Kit. Il a pas changé de pseudo lui. Non, c'est pas Kirk. Non, non. Non. Ah. Ah, il a 62 ans, Kiki. D'accord. Kirk, il avait 16 ans à l'époque. Ah, il a lancé les chiffres. Il y en a qui dégueulent aussi. De quoi, le Kalva? Ou le Poiré? Les deux. Ah, j'en ai ramené un petit Kalva arrangé là, à base d'ananas, cette passion. Ah, oh, c'est pas loin. Ah, du vrai, on en a bu. On en a goûté du vrai. Il était très très bon. Du coup, lui. Ah, lui, il a les. Salut Dimitri! Salut Dimitri! Comment il va? Monsieur Dimitri. Ah, le breton. Ouais. Ah, le routier. Les cousins, c'est les cousins quoi, normands, bretons. Ah non! C'est eux qui croient qu'ils sont nos cousins, donc ils comptent pas du tout. On va bien toi Dimitri? Comme si qu'on disait le Mongolien et les cousins avec les Alsaciens. Donc tais-toi. C'est comme si tu disais que j'étais cousin avec l'autre Saunois, non. Oh là 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 là, c'est pas bon. C'est encore pire. Non. Vous êtes de l'Est. Vous êtes les riches. Qu'est-ce que tu fais à passer chez Papy là? Je vais à mon champ, je paye un droit de passage tous les mois. J'ai une rondelle qui est pire que dilatée. Avec son gros bourdin. Elle est usée, Il n'y a pas de barbu. Non, il est parti amener son. Son fils, hein. Bon, il est parti chercher son fils pour l'amener à un rendez-vous. Ok, il est pas. Il rentre tard ce soir. Et vu qu'il était désagréable hier soir. Du coup, je sais pas si Cédric qui reviendra jouer. Ah bon, Fredo est passé par là pour la pour ta rondelle. Non, c'est Papy. Non, Fredo, non. C'est léger. Non, mais après je peux le comprendre, il y a eu un examen un peu douloureux sur sa main le matin, je peux comprendre. Mais... Petit joueur. On lui a mis juste plus de 2 millions d'écart hier soir dans la vue et il l'a mal pris. Quoi. Il voulait tout arrêter hier soir. Il y a une maison. Non, j'ai taqué à la porte, mais il y a personne. T'as chopé la crève, mon petit bleu? Ah, bah, parle pas. Ouais, pareil qu'il y a un pic de grippe en Normandie. Hein. Ouais, bah, c'est ta faute, tu l'as emmené. Bah, c'est ma collègue qui l'a emmené. Elle est arrivée là-bas, elle était malade. Voilà, j'ai pas dû la voir. Ça va, rien, tu peux pas le dire. Ça va coûter cher. Qu'est-ce qui va te coûter cher? Qu'est-ce qui va coûter cher, papy? Le fait que je passe chez toi? On s'est mis d'accord 500 000 chacun. Yes. Ah non, je paye déjà tous les mois. J'ai une rondelle, c'est plus une rondelle avec ton gourdin, papy. Je m'en fous, je fais des belles bottes, c'est Cédric qui va les charger sur mon haut plateau. Eh, je pense que tu vas les remercier quand même. Non, ou alors il va activer l'autoload. Moi, j'oserais pas faire ça. Tu veux une auto-chargeuse, Cédric? Ah oui, pourquoi pas. Tu
tu vas te faire dégripper un peu. Cédric, le roi du télescopique. Ah non, c'est Flo qui est le roi du télescope. Faut être là quand j'en fais. Faut être là. Et ouais, Kiki, si tu veux voir des lives en direct de la vraie vie à la ferme, faut s'abonner à Giflo d'1.4, activer la cloche. Et reste abonné à la chaîne d'Agatine Gaming quand même. Oui. Et là. C'est bon, il doit... Ah d'accord. Tu veux voir des. Il y a même des shorts hein, qui sortent sur ce qu'il fait à la ferme. Après il y a Papy qui commence à se mettre au short avec son camion. Papy est plus court. Short, court. Ben, c'est pas possible. Ah non, il est pas beau. Sans manche. Non, j'ai pas vu le nombre de vues, Papy. 50 vues le premier, je crois. Ah ouais. Oh, mais ça monétise pas, ça. Ouais, les shorts, eux. Ça démonétise. Coûte 600, celui d'aujourd'hui. Oh, la vache. Papy, t'as des heures. T'as l'envoi de 2h le matin. Ah, moi, je l'ai vu 580 fois, moi. Oh la vache. Combien d'abonnés? Il va monter un abonné, papy, ça se trouve, tu vas voir. Il en avait 7 quand il a commencé. Je sais pas si j'aurai le temps de ramasser les bottes avant que t'arrives pour semer, c'est vrai qu'on se fait côté. Ouais, chez papy, il a pas tout de même. Vous avez bien avancé hier, du coup, les copains. Ah oui, Dimitri, on a très très bien avancé. Il y a plus de 2 millions et demi d'avance sur Fredo. C'est pas dur hein, Fredo en fait. J'achète. Eh ben non, franchement il... Non. Le truc c'est qu'il met énormément d'ouvriers, donc ça, vu les tailles des champs, ça fonctionne énormément d'argent. Ah ouais, mais c'est gagne pas. Alors quand tu vas récolter pendant que vous ne pouvez pas. En fait on arrive toujours. En ce moment on arrive toujours à récolter. Ah ouais. Non et puis je sais pas. Je calcule tout, tu sais, je sais à peu près le nombre de stades de culture. Donc en fonction de combien de quand est-ce qu'on veut vendre par rapport au quand ça se vend, on tombe toujours bien en fait. Là on a le soja qui est élevé et c'est le moment de le vendre, donc il a à peine moissonné, à peine vendu. Et on sème aussi sec derrière. Donc, T'as dit quoi? À peine arrivé sur la partie, je fais déjà plus de 250 000. Oh, ça va. Boum. Zéro stock direct à la vente. Exact. Si, il y a du colza dans le silo, Romain. Je crois. Oh putain, je vais tomber en panne de gasoil. Mais non, on va finir. Ouais, oh, oui, ça va. Je suis large. Merci, hier, tuto comment faire un silo dans silage. Ah, je l'ai fait à la mode papille. J'ai soulevé l'autochargeuse pour faire un beau mur. Et ça a un petit peu fait comme tes silos, Flo. J'en ai autant au-dessus du mur que dans les murs. Non. Parce qu'en plus, il y a. Oui, voilà, là, chez Katia, il y a 1 200 000 litres d'ensilage à vendre. Plus le soja qui est pas fini de moissonner, il y a encore je sais plus quoi après.
1 500 000. Parce que là j'ai vendu. Oui, on l'a vendu, puis on en a refait un, Dimitri. On savait pas quoi faire hier soir avec Romain. Alors, on a décidé qu'on allait mettre 1 200 000 dans le silo, quoi. Dans les deux silos. Ah oui, Dimitri, oui. S'il y avait qui, hein. Et t'inquiète pas, il y aura plein de travail quand tu vas revenir la semaine prochaine. Attends, nous laisser. Oh, oui. Non, le problème, c'est que la partie-là, ça, c'est long, quoi. Par le couille. Les champs, moi. C'est les smarts qui sont pas assez grands. Ouais, je pense, mais je pense que je vais en chercher des plus grands. Là. Parce que même le Condor, il est pas assez grand. Là. Ah oui, d'accord. Faut prendre le DLC. Bongo avec Tommy Frontal et le Monsebler. Bosse pas aujourd'hui et hier, forcément, moi qui pouvais jouer plus tard que d'habitude, bah louper encore la visite a pu finir. Ah, bah ça, Dimitri. Écoutez ton conseil, abonné à Jipona Pocket. Ben merci pour lui. Merci, merci. Allez, go les 600 les amis. Putain, non. C'est bon ça, Flo. Encore vite. Tu m'as mis une claque quand même, on a rien de temps. Hein. Putain, nom de Dieu. Je voulais faire quoi du coup, je mets un seul. Tu gagnes plus d'abonnés depuis que tu fais tes shorts et tes vlogs en fait. Ah mais shorts, oui. Surtout les shorts. Du coup, je vais regarder, j'ai le volet. Jules, oui. 410 sur le pseudo. Là. Ah non, il a pas gagné l'abonné. Ah. 605. 605 vues. Pas, 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 pas. Et il va devenir une star si ça continue. Ouais, mais je vais couper un sous pied, il va racheter un PC, t'inquiète pas. J'avais fait que 168 là. Oh la vache. On met des lumières partout, met des lumières partout dans le mini tout, puis voilà. Non, j'étais à la salle de traite là. Tu sais comment on met le GPS? Alors, est-ce que c'est le mode GPS ou est-ce que c'est le VCA, Angie? GPS, alors le GPS non, parce que j'utilise que le VCA moi. Il faut enlever le simplicité, il me saoule. Ah bon, d'accord. Quand t'es dans le menu? Ah oui, partout, même Terraforming, tout ça. On va voir. Power Cloud. Il y a le simplicité du mode up qui est sorti. Il y a peut-être point d'erreur sur. Eh Cédric, t'as enlevé le casque? Non, pourquoi? Je sais pas, on t'entend plus. Bah, je travaille. J'ai pas le temps de parler, moi. Salaud. GPS, quand? Quand quoi? Quand quoi, Angie? Quand est-ce qu'on met le GPS? Bah, quand t'es perdu. Non, il est en train de jouer, là. Ah, quand tu joues, quand t'es en train de semer. C'est pas Alt, je sais pas quoi, Ctrl, je sais pas quoi, là. Alt V, Alt L. Je sais plus. Celui-là, je l'ai pas utilisé sur le 22. J'ai Alt utilisé X, que le VCA. Faut regarder dans tes paramètres de touche, ça doit être marqué en J ou sur le mode, c'est marqué. Il est sorti quand le PC? La semaine dernière, je crois. Quand j'étais en Normandie, j'ai jeté un œil. Regardez si je loupais une, je loupais pas une grande exclusivité de mode. Si t'as loupé, bien. Allez, chope de sabre. GPS du VCA, c'était
Pour le GPS, tu fais CTRL-S. Bah, tu vois, ils vont t'aider. Et Massa, il va t'aider, Angie. Hey. Merci à toi. Merci, Massa. Pourquoi j'arrive pas à trouver le plateau? C'est quoi ce bordel? N, j'ai dit. On va le fermer du 80. Du coup, je peux balancer ça, moi. Je sais ce que je vais faire. Ah putain, ça me saoule. Allez au bordel. Ah non, je veux pas la troisième personne, moi. Pourquoi ça fout de la merde comme ça? Je sais pas. Autoload, oui, j'ai pas envie de me faire chier cette heure-ci. Pas bien. Pas bien quoi, Pascal? Merci pour le 23e pouce, les amis. Merci beaucoup. Je vais bien et tout. Bah, tu vas bien depuis tout à l'heure, bah c'est cool. Ah, le Toulouse. Oh, c'est juste que j'ai pas envie de m'embêter à ce tour-ci. J'ai pas la motive à charger. Et quand j'ai pas la motive à charger, je sais comment ça finit. Hashtag AltF4. Yes, yes, c'est ça. J'ai pas envie de rager en live, donc voilà. Ça me saoule les problèmes de texture, je te jure, pourquoi ça existe. Ben, je sais pas ce que c'est encore les problèmes de texture. Pour l'instant, c'est Cédric qui gère les problèmes de texture. Il avait acheté le passé là, d'ailleurs. Non, j'ai pas acheté. Mauvaise ferraille, ça. Il est trop petit, 259 chevaux. Là. Je peux le monter à 285. Oh bah c'est trop petit. Hein. Trop petit. Il faut du 550 là. Il y a le quadrax si tu veux qui est ressorti sur le mode 2. Non, c'est moche. On fait encore avec rien. J'ai vu sur la map, toute ma map est blanc et en fait les textures ne sont pas importées. J'ai le mort. Ah bon? La ferme limousine, ouais, ouais, ça avance, Dimitri. Cédric est en train de gérer tout ce que. Toutes les choses qui fait, quoi. Moi, j'interviendrai pour mettre 2-3 petits bidons par-ci, par-là. 2-3 petites décos par-ci, par-là. T'es retourné dessus au fait, Cédric, ou pour l'instant t'as laissé en pause? Pour l'instant c'est en pause. Voilà. C'est bien de faire une pause de temps en temps. Mais. Pour réfléchir mieux quand on s'y remet. Tu veux que la campagne des séries ne finisse, je te la passe, mais capable que j'attends le. Ah, attends. Si tu veux, dès que la campagne des séries ne finit, je te la passe, mes PV, car j'attends la rêve de passer. D'accord, oui bah on verra ça, je vais pas avoir de problème à la ferme du 80. Comme ça je vais ramasser les bottes ici, comme ça là. Là. Le gars il est tellement pas débordé qu'il moissonne tout le voisin, c'est fou ça quand même. Et toi? Ouais. C'est qui le voisin? Ah pour papy. GG à vous. Merci Dimitri. Il va arriver, son champ va être moissonné, il va être content.
Tu parles, il faut qu'il vienne charger des betteraves à la maison. Donc... Oh, je vais venir l'aider. Je sais même pas pourquoi il veut charger des betteraves chez moi. Ah, pour éviter qu'il se fasse chier en fer. Ah, il faut qu'il m'en laisse un petit poil, mais ouais, il en a, il peut bonnement en prendre 200 000, hein, facile. Je sais plus, il y a combien dans le silo. Non, non, t'inquiète, pote, t'es tranquille, popiette. Ça marche, bon, envoie ça le Family 80 quand tu l'auras fini. Prends le temps de faire ça bien, tu sors plus de map sans erreur. Et puis, on verra ça plus tard. Ouais. T'as fini de semer, Cédric? J'ai fini de semer le 10. J'ai repassé un coup d'engrais dessus, comme ça il doit être à 100% normalement. Ok, parce que là je viens de dégager celui qui était à côté. Merci à toi, Steven. Hey Steven, comment tu vas? T'es reparti à la ferme? Oui, je suis reparti à la ferme. Moi, t'aurais pu faire demi-tour. Non, mais je vais aller pulvériser le 34. Hein. Ah, d'accord. Comment il va, Steven? Bon, bah, moi je vais aller ramasser l'autre là, qui a ramassé, puis je vais presser celui qui est à côté. Merci pour les 24 pouces, les amis. Encore 3 quarts d'heure de live, on coupera. Ok, Steven. Bon courage à toi. Salut à ceux que je n'ai pas vu arriver. Salut Cédric. Ben, re Cédric. Ben, re Céd. Cédric, c'est chez nous. Céd, c'est, les... c'est Monsieur Jean. Je vais y arriver. Tour vers Caille. Oh, c'est magnifique quand ça se passe comme ça. Oh, Bopi va pas tarder à balancer une 5. Oh. Il est 31. J'aurais jamais autant avancé en un après-midi quand même. Ah, donc Cédric est là. C'est ça, c'est ça. C'est pas avec Manu que t'es avancé. Bah, non, non, non. Il préfère encore se chamailler avec Adriana. Oh. Il a mangé trop de chocolat, le pauvre. Si, je me trompe pas, monsieur Jean, ça avait dit, monsieur Cédric Jean, ça avait dit que normalement il serait en live demain matin sur les coups de 10h, 10h30. Si je me trompe pas. Steven va sûrement faire des lives sur sa chaîne ce week-end. Et voir les pays de co, map privé, et puis bon, il joue dessus, plus il fait du mapping dessus. Donc si vous voulez vous intéresser à Giant Editor et à la map, n'hésitez pas à aller le voir. Je suis revenu jusqu'à la ferme. Je m'insupporte à moi-même. Oh là là. Ah, faut le faire, par contre. Oh, je me saoule. Je me saoule. J'en peux plus d'être con comme ça, quoi. Ah ouais, rien que ça, Steven. Eh bien. Et puis il y a son compère à la 80 aussi qui live dessus. Il joue énormément dessus pour aider Steven à améliorer la map, à faire voir les bugs et tout. Ils font des belles carrières dessus. Ce n'est pas aller les voir, activer la cloche, le petit pouce. Merde, je peux pas atteler l'auto-chargeuse sur la chargeuse. Tu veux atteler une auto-chargeuse sur une auto-chargeuse? Non, sur une chargeuse. Hein? Est-ce que je peux atteler la même? Aïe aïe aïe. Non plus.
Aïe aïe aïe. Il y avait un Manitou qui était sorti hein, sur le mode up par un temps. Il y avait un 3 points derrière. C'est barbe. Merci pour les 17 pouces bleus les amis. Les 17 viewers et les 25, les 24 pouces bleus. Andy t'arrives avec le GP. Oh ça se trouve il est plus sur le live. Ah ouais c'est pas moi qui l'a rien dit. Wesh gros. Wesh. Wesh. Salut à tous. Salut à toi, ô grand youtubeur. Vous êtes pas prêts, moi je vous le dis. J'arrive, j'arrive. J'arrive, attention, dans ma Formule 1. Ouais. T'inquiète pas. Salut petit loup. Ah oui, et toi? Oui, fraîchement. Oui. Comment ça se passe depuis le lundi avec ton dos là? Ça va, ça me tire un peu dans la jambe au niveau de laine, mais... Papy ? Ça va. Oui, c'est moi. Enfin, qu'on achète le jardinier, tout avec les clôtures dans le milieu des champs. Le paysagiste, là, qui travaille à la Comcom, là. Hey, la commune de... Eh, on vous emmerde. Il met des clôtures, l'ouvrier, il est coincé, du coup. Ah. On a des tracteurs Izeki, si vous voulez, pour vous. J'ai même un petit tracteur tondeuse Kubota si vous voulez. Du coup, je sais pas où t'en es, Cédric. Ça va, Tintin, merci de demander tout de prendre des nouvelles. Tout le monde va bien. Au 34 pulvérisé de l'engrais. Alors... Deux mois aujourd'hui en plus. Oh la vache, deux mois. Allez, on a Jade, premier. Ouais. Ouais. Eh ben, bon, deux mois, 50, Jade. Combien, VV? 56 cm. Elle a été faire son vaccin ce matin. 56 cm et 4,6 kg. Nom de Dieu, elle mange bien. Hein. Impeccable. Dans le 26 en remontant, Cédric, je sais pas, t'es où? Je suis à la ferme pour l'instant. Dans le 26, tu pourras mettre un coup dans le syndical. Il est dans le potager. Il m'énerve, les deux là. Moi je dis, quand je sortirai Pays de Co, vous êtes pas prêts. Ah oui, t'es... oui, c'est pas déconnant, Steven. Ah la vache. Ah bah c'est le froid ça qui fait ça. On va mettre du labello. Ah. Du babello. Il est FGRC. Babello. Ouais. Et quoi, c'est froid, et... en Normandie, ça y est, il fait 5 degrés, ils ont froid quoi. Non, moins 1. Moins 1. Pause café. Ouais. Ah d'accord Cédric, bah bon peu de café Cédric. Tu veux combien de litres de betterave papy? Je sais pas, t'en as combien? Enfin, tu veux t'en débarrasser de combien? Ça, moi de tout, si tu me donnes 1 million. T'en as combien de litres? 1 million. 1 million. Papa. 1 euro la betterave. Un papa. Là, il y a 309 000. Je sais pas si c'est tout ça. Non, là, c'est tout ce qu'il y a par terre. Ouais. Au plus haut. Au plus haut, je dirais, il y a de l'art 600 000. Il y a 600 000 litres, tu peux bien me prendre 400 000 ou 500 000 même, papy. Ouais, 500 000 litres. Bon, vas-y, s'il y a 500 000 litres... J'en laisse quand même. Ouais, mais je vais bientôt pouvoir... J'aurai bientôt remboursé mes cochons, donc je vais pouvoir rembourser mon prêt. Je vais pouvoir me servir de mes céréales pour nourrir mes cochons correctement, donc... D'accord. C'est pas grave. En plus, ils ont quasiment rien bouffé. Toi, t'as 10 degrés, Steven? Moi, j'aime pas ça, faire de la betterave au début, et puis avec la grosse mer, ça... Ah oui, avec la grosse machine, ça va bien. J'en étais où, moi, dans ma ferme? Je sais même plus, moi. Tu finis ta moisson de colza? C'est ce que j'allais dire, c'était pas comme ça, je crois, hier, le colza. J'avais un doute. Mais il savait pas quoi faire, le flow, alors... Il pas quoi faire, j'ai aidé. Nickel. Merci, mon loulou. Ah, t'as plus qu'à prendre tes bennes, puis à venir charger les betteraves. Ouais bah attends, je vide le colza et puis ouais, j'en... Ça reste dans la machine. Ouais, je suis en train de la vider. Ah, la benne est pleine peut-être, non? Oui, la benne est pleine. Moi j'étais tout content tout à l'heure, je me dis chouette, je vais pouvoir me faire un petit 200 000 avec mon soja quand je revendrai en juin prochain. Du coup, il arrive sur partie, il me fait, oh, je viens de me faire 1,3 million avec mon soja.
Je sais plus pour combien que j'en ai vendu aussi, moi, mais... Ok, d'accord, bon, écoute... De toute façon, c'était plus de 400 000 la benne, 16 000, ouais. Je crois, 414, à coup de benne. Mais de 66 000 litres. Ah, c'est Tintin oui. Qui aime bien les betteraves, Steven. David aussi, mais plus maintenant. Ça dépend pourquoi. Il y a eu un petit léger souci avec... Un petit différent de BGA. C'est ça. Hey, c'est bon, tu vas te mettre avec Cédric maintenant. Hey, les jardiniers, arrêtez de mettre de l'engrais de mes champs. C'est pas moi qui ai mis de l'engrais aujourd'hui. Tu les vois avec leur petit pulvé, tu sais, sur le dos là, à pompe là. Ils sont en train de mettre de l'engrais dans le champ avec leur petit pulvé comme ça, sur le dos là. Le c'est vrai qu'il y a pulvérisé, c'est pas moi aujourd'hui. C'est pendu. Déjà qu'il est, il est gentil de venir m'aider. Hein. Oui. C'est sûr, c'est pas avec ton mescalier que tu serais arrivé. Même avec sa bip bip tuning, ça paraît bien. Je connais un grand youtubeur qui adore faire les betteraves aussi. Escalman. Vous êtes pas prêt. Oui, c'est ça, Tintin. Faire des betteraves avec une doublette, c'est énorme. Vous êtes pas prêt. Allez, ouais. Pour finir la map, on fait que des betteraves. Fini en beauté. Oh, de toute façon, betterave en silage. Je sens que dès que Papy va nous retrouver une autre map, celle-là, elle va être changée. Non, elle est au bout. Je pense qu'il y en a déjà une qu'on aime bien, mais... Faut jouer, j'ai pas été... j'ai pas été en jeu encore. C'est quoi, c'est le PDA, c'est sûr qu'il me plaît. PDA, déjà, c'est sûr et certain qu'il me plaît. Non, on va pas dire le nom. Non. Tu fais des parties à Bocan. Si j'en fais une, ce sera pendant les vacances de Noël, la première semaine. Mais il n'y aura que la team. Oh, rigole un peu. Les vieux d'aujourd'hui, ils rigolent plus, c'est dingue ça. Ouais. Bah, si, je rigolais, mais je suis fatigué, donc ça se voit pas. Ah oui, t'as l'air, ouais. L'arrière à l'avant, il se trompe. Du coup, il a choisi de se boire. Mais ouais, c'est une bannie dans la ferme à menu de changer de semoir, hein. Ouais, c'est ça. Un papy. Oui, non, mais... non, ça, c'est bon. Là, on a le sulky, il est bien. Une étape, ce sera du 6 mètres, et puis ce sera bien. Ouais, c'est vrai que vous avez votre jardinier. Et encore, je suis sûr que ce semoir à main, ça irait. J'aime plus jouer avec du gros matos. Hein. 6 mètres maxi, ça me va. Hein. Oh, ça dépend. Il faut vraiment que la map soit énorme comme, comme la partie à 4 quoi. Oh, bah là, ça te fait. Hein. Rassembler les chances, ça fait des grands champs. Hein. Bah, je vais la changer en 6 mètres, quoi. C'est petit, hein. Bon, voilà. On arrête la presse, on appuie sur Y pour la vider. Tac. Hop. En fait, merci, hein, Flo, d'avoir ramené mes tracteurs qui traînaient par-ci par-là, le coup. De rien. Je savais pas quoi faire. Ni la presse. Ah, j'ai déjà fait 116 bottes avec la presse l'homme. Ouais, le jardinier a fait 116 bottes. Hein. Moi je suis 1 000 000 litres de paille et encore j'en ai broyé. J'ai plus de place dans le bâtiment. Ah. Eh Romain, c'est sur quoi ce soir?
c'est ta partie sur le restaurant, tu bugs un petit peu. Un tout petit peu, les tracteurs s'envolent chez lui. 300 000 km/h. C'est la partie survie, d'accord. Et t'as prévu un décollage vers Mars aujourd'hui ou quoi? Non, survie, on a dit sur Mars. L'heure est grave. Ah. Ouf. L'heure est grave sur la survie. Oula. Moi je peux pas aller laver la presse, il est encore dedans. Eh les amis, il manque un petit pouce pour faire les 25. En une demi-heure, c'est possible. Ah oui. Oui. Ah non, j'ai pas de massé pour ça. Ah d'accord. Change-nous toi. Pourquoi ça toi? Le piatagri va passer les centres. Oh de Dieu, Kiki. Vous êtes pas prêt. Pas prêt. Tenteur, mais il va finir par tomber. Ah, celui de Romain. Mon de Dieu. Putain. Poteau de sa. Moi, j'ai perdu mon ouvrier. Il a fait une pause café et j'ai jamais revenu. Mais si, je suis là, je suis en train de te mettre ton 25e pouce bleu. Ah, merci Cédric. Merci pour le 25e pouce. Est-ce que tu l'avais pas mis? Ben non, pas encore. Tu sais, moi, j'ai qu'un écran, donc du coup, je suis obligé de jongler, quoi. Du coup, à part que je t'envoie Papy pour qu'il te mette une fessée. Voilà. Voilà. Ah oh oui, une fessée de Papy. C'est une manie dans cette team. Une fessée de Papy, ils sont tous là. Oh oui. On a besoin de moi, non? Oui, il y a Cédric qui veut une fessée. Ce que j'ai cru comprendre. Ah, non, je partage pas. C'est à moi. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ton ouvrier jardinier? Alors, jardinier, c'est pas moi, hein. c'est ce qu'il est dit. Hein. Il y a du désherbage à faire au long des champs. Au long de nos champs, si vous voulez. Sur le 28 à droite, tu peux peut-être mettre un petit coup d'engrais si t'as encore envie. Et puis puis remettre un petit coup sur le 9 aussi. Et puis moi, je viens de percevoir un truc, c'est qu'il y a un champ que j'ai pas pressé. Allez, on est reparti. Avant que Cédric il arrive, il faut que je remette les bottes. Hop, ça c'est bon, ça va se mettre. Bonjour monsieur Cédric Zand. Oui. Salut Cédric. Cédric. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur le short. Il me reste une petite bande de 4 mètres. Est-ce que tu peux venir la semer, s'il te plaît? Putain de merde. Et comment il nous cherche? Je vais venir chercher les betteraves. Les betteraves? Oh, si tu veux. Les betteraves. Les betteraves. T'as un coup de pied pour le chargement, papy? Ouais, au pire, ouais. Deux chargeuses, deux baies. T'as acheté la même chargeuse, ah. Flo? Non. Ah oui, ils sont au sol. Ah oui, ils sont au sol chez moi. Faut demander Ben au jardinier à nous prêter ta brouette. Une caisse 3 points. Ils sont pas possibles. Et on leur a fait quoi? Ouais, on leur a fait quoi, Cédric? Bah, je sais pas. Petite Bennett. Je sais pas. Est-ce que t'as rien, justement? Est-ce que tu peux venir enseigner chez toi? Ah, mais votre benne est trop grande, les gars. Avec ma petite faux, comment on fait? Ensileuse? C'est quoi ça, ensileuse? Je me suis débrouillé tout seul, moi. J'ai fouillé ensilé. Moi aussi, j'ai demandé à papy qu'il vienne.
Ah, j'étais là. T'as fait ton ensilage d'herbe, papy, au fait? Bah, mes silos sont pas vides, donc non, je l'ai, on l'a ramassé à l'autochargeuse pour faire du foin. Ah bah ça va, tu dois en avoir assez, là. Alors, j'ai plus d'un million de litres de foin. En même temps, avec le nombre de bêtes que t'as. Bah, j'ai pas le choix, ouais. Ça part vite quand même. T'as les enclos avec le même nombre de bêtes, Flo? Non. Oui. Oui, ah oui, d'accord. J'ai juste pas de cochon. Ouais. Faut vraiment cingler. Hein. Mais par contre, t'as moins d'animaux pour l'instant encore, je crois. Bah oui, je viens de commencer. Ouais. J'ai moins de cochons parce que j'attends de te racheter. Tu vas racheter des cochons à qui? Bah je vais racheter ta ferme pour avoir les cochons. Je t'emmerde. Ma ferme n'est pas à vendre. Pas encore. Elle n'y sera pas. Un jour, moi et Papillon s'associe, vous êtes morts. Mort. Non, elle est pas à vendre. Moi je m'éclate avec mon petit matos là. Tranquille. Si on s'éclate avec notre grand matos. Ah bah oui. Pour une fois que t'as quelque chose de grand en main, Flo. Ah, ça fait du bien. Papy il a l'habitude, donc ça change pas. C'est... Hop, c'est bon. Après Cédric, si tu travailles avec du grand matos, je te retiens pas, hein. Y a des grandes fermes autour. Ah bah donc... tiens, oui, s'il y avait un employeur bien sympathique, m'accueillir. Ah bah ouais. Tu sais quoi dire, après Ah la vache, on est même abandonné par ses propos. Pour ses pauvres copains, quoi. Non mais voilà. Viens, on a la clim. On est abandonné même par les siens. Non mais, tu sais, moi, plus de 200 chevaux, je sais pas conduire, tu vois, quand t'es avec Agrissime, au début... Ah mais maintenant, ça se conduit tout seul. Enfin, chez nous, c'est automatique. T'appuies sur H, ça se fait tout seul. Voilà. Oh la vache. Putain, les coups de saton que je prends. Je viens de décharger l'autoload. Ah ouais. Décharger l'autoload pour remettre en trigger autoload. Alors, c'est peut-être ça les peut-être. Pourquoi le tracteur il est monté là ce con? Il a pas monté là ce con. Pourquoi il monte là? Ah si, tu le trigger. Ouais, c'est ça, je peux le trigger. T'es sur la route, Flo? Non, non, pas encore. Ah non, attends, je fais un tour et je suis en train de débrouiller. Ah mais j'ai pas de tracteur en fait. Ah, faut que j'en achète un. je te prête un des miens si tu veux. Papy, il a une collection de tracteurs à la ferme. Je vais pas demander au jardinier avec son tracteur tourneuse. Prends le 8R qui est au BGA sinon. Ouais, avec son Izeki, il va pas aller loin avec 60 ml. J'ai deux JT. T'as vu que. Non mais sérieux, non mais. Putain, je me sens seul là quand même. J'ai l'impression d'être Fredo quoi. D'en prendre plein la gueule. C'est pas déconnant, oui, c'est ce que j'allais dire. Faut que j'aille faire le plein là, parce que là, ça va pas le faire. Cédric, t'as pas une envie, là? Comment? T'as pas une envie, il faut qu'il fasse le plein. Oh putain. Pour l'engrais, t'as quelque chose à la ferme oui. Oui, je te montre. Oui, il y a des seaux d'engrais qui sont pleins. prochaine partie, je vous emmerde, j'achète du 25 mètres d'entrée. Regarde, il y a des petits seaux de 5 litres qui doivent être pleins au long du bâtiment. En même temps, t'avais qu'il fallait arrêter de s'en prendre après d'eau si ça s'est retourné contre toi tout seul. Merci de ton soutien, Matt, merci. Prochaine partie, c'est du 25 mètres. Bim, d'entrée. Bim dans la tronche. Ça tombe bien, mais sur le street farm. Grand poche, je sors pas des magasins. Ah bah fallait acheter plus petit. Ah, ils sont là les triggers, Cédric. Ah, il est là, c'est le petit taquet là. Les petits sacs là. Ah, et ces petits sacs de jardinier. Ah oui, c'est des sacs de jardinier en plus. T'as raison, papy. Là tu vas vers la semence, c'était l'autre côté Cédric. D'accord. Bah attends. On passe comme ça. Ah bah t'as vu, tu sais manœuvrer. Ouais. Bah tu sais, tracteur de jardinier, voilà quoi.
ça passe partout. Hein. Et si, mais... Et si... T'as du bol de t'être fait opérer hier, toi. Ah, je vous jure, on s'est même lâché par tous ses compagnons. Quoi. Pas trop relever le niveau. Voilà. Du coup, à 8h pour BGA. J'ai l'impression d'avoir Stervio avec moi, du coup. Il y a 8000 la papille là. Ouais. Tu fais quoi? Tu vas rechercher ta benne ou tu prends celle qui est là au cochon? Bah la mienne, elle est c'est la même que toi. Ouais, ok. Alors, comme je vais... Oh si, c'est sur moi. Du coup, Cédric, t'auras qu'une paye de jardinier. Ouais. T'attends... Bah de toute façon, là, faut que t'ailles rechercher... Bah je t'attends en bas au pied du pont. Non, vas-y, je suis à ma benne. Oui, ça, j'ai vu que t'étais parti. Si c'est une paye de jardinier comme à Versailles ou à Chambord, je veux bien. Hein. Tout à fait. Après, si t'es payé aussi cher qu'un ouvrier farming en travaillant une heure, ça vaut le coup. Ouais, surtout si c'est moi qui paye. Ah, chez Papy, tu fais à peu près 4 millions de litres d'ensilage, t'es payé 60 000 euros. Ouais, bah ça va. Peut mieux faire, mais ça va. Ouais, j'ai des flots, j'attends plus le paiement. Hein. Aïe aïe. Ah, tu m'as aidé de quoi? Ou l'autre, qui m'a aidé, c'est moi qui donne la benne. Non mais. Mon papy aussi, c'est lui qui a donné la benne. Ah, mais c'est pas pareil. Oh là, je me pousse sur un trou gros tracteur. Vas-y, prends-le, j'arrive. Oh, putain, les petits équises qu'on fait. Oh, mais c'est bon, ça passe avec mon petit agazou. C'est vrai, tu te sens pas trop petit quand tu passes à côté de moi. Aïe, aïe. T'as pris ton 8R? Ah, on arrive à 2 8R là, à la ferme. 2 8R. Ah ouais, il faut que tu te mettes pour faire voir quand même. Bah, avoir au buveur. Et par contre, il va nous charger. On est de 1000 litres, lui. Bah, on laisse les tracteurs là, puis on revient la semaine prochaine. Voilà. Ah, je crois que tu n'es qu'une chargeuse, Flo. Ah non. Dans le deal, c'est toi qui nous charge avec ton godet. Ah non, bah, je vais aller chercher la chargeuse à papy, ça ira plus vite. Hein. Ah, mais oui. T'as un salarié jardinier, là. À la paye. t'as pas un tige cette semaine? Non. Il y a un coton-tige, ouais. Mais... Oh putain, c'est ce que c'est les tiges, non? Oui, c'est les arpètes. C'est ceux qui ont des heures à faire pour l'État, là, les travaux d'intérêt généraux, ouais, ça, nous on les appelle comme ça, les tiges. Je sais pas par où. Ouais, c'est de l'autre côté qui sont tes pétrales, avec les vaches. Avec les vaches, ouais. Comme dans le dessous. Oui. Et du coup, faut que j'aille chercher ta chargeuse, papy. Oh. Ah. Non, mais après, on va se débrouiller, t'inquiète. Et on passe par où pour aller de l'autre côté? C'est où pour rentrer là? Vas-y, on passe pas nous. Ah, si tu passes. Ah, j'ai le même tracteur que vous, les gars. On passe pas avec nos tracteurs. Mais le Horsch là, il va sauter. Le Porsche. Le Horsch. Le Porsche. Ils sont où? Ah si, ça passe. C'est là. C'est bon. C'est large. Ah oui, mais pas besoin de toi. Il y a eu des trucs dans les années 80. Des trucs. De quoi tu parles, Kiki? Ils sont dans le bâtiment là, les betteraves. Eh, hey, y'a déjà Flo qui est là. Ouais, on a fait la route ensemble. Sinon, ça va, vous copiez pas trop les mecs? Ah, le tracteur, c'est le mien aussi. Il y a que la benne, c'est... Les emplois jeunes, d'accord. La benne, c'est la sienne, mais... Ah, c'est pas les mêmes 8R, hein, sinon. Ah non, c'est pas les mêmes. Une ancienne génération, une nouvelle génération. Quoi, c'est un nouvel? C'est un nouveau? Ouais. Regarde devant la calande, sous les phares. Ça clignote aussi. Oh là là, il clignote de partout, lui. Et là, c'est l'ancienne génération, c'est celui qu'on a, celui-là.
Non. Non, il est plus récent que... Ouais, c'est encore au-dessus. C'est les premières séries R, Nekara. J'ai pratiquement toutes les générations, tu me diras. Ouais. Ah, moi je continue à presser le temps que Paul arrive avec sa chargeuse, parce qu'il faut que je compte toutes mes betteraves une par une, parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer, moi. Tiens, tu me donnes tes droits? Oui. C'est dans la ferme, faut que je vous donne les droits aux deux, du coup. C'est des bennes de combien de litres que vous avez? 66 000. Bravo, ah, du coup, ça va faire 120 000 autour, moins 132 000 autour. C'est pour nourrir tes cochons, papy, ou c'est pour foutre de ton BGA? Non, pour les cochons. Pour qu'ils produisent plus. T'as pas envie de te faire chier à faire un chantier de betteraves, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Du coup, t'en fais quoi? Puis c'est pour te donner de l'argent aussi, comme ça, ça te fait travailler. C'est ça. Ah bah, je sais pas quand est-ce que je refais, parce que c'était une mission, j'avais gardé... Maintenant, c'est toi qui me fournis en betterave. Oh bah putain, on va faire que ça, les gars. T'es mon fournisseur. C'est vrai. T'es mon betteravier. Tu savais pas quoi faire les jours qui arrivent. On va faire de la betterave. T'es mon betteravier, maintenant. Ah putain, on est pas dans le caca. Non, là, c'était une mission, ça. Salut, Dimitri. Comment tu vas? Comment tu fais pour aller au 28 en fait? Oui, au 28. Alors, t'es où? Tu prends le pont au niveau du... T'as un pont au niveau du 31? 30-31? Ouais. 30-31. En face du 20... papier, en face du 23, je crois, t'as un pont. Tu passes le 30 et t'as un pont. Et après tu descends. J'ai fait un pont ici. Il a fait un pont. J'ai fait un passage, ouais. Pont. Oh. Normalement, avec la taille de ton tracteur, tu passes le pont. Eh ben, Bobby. Oui. On va regarder le 32 au cas où il y aura des pétras, on le donnera pas à David. Ah ouais. Mais je vous en mets. Trout. Non, c'est quand j'ai acheté le champ où je suis en train de presser, là, quand le champ était complet. Et il y avait des betteraves dessus, j'ai dit je les récolte et je le garde. Bah ça va et toi Dimitri? Ah l'autre il est en plein milieu de son... Ah non c'est bon je crois. Allez. Alors. Ah par contre, tu as un problème, tu passes pas qu'il y a rouge jumelé dans les travées. De quoi? Tu passes pas qu'il y a rouge jumelé dans les travées. C'est ce que j'ai bien moi avec mes pneus larges, est-ce que je vais passer moi aussi? Ah oui, toi, normalement, ça devrait le faire. Tout juste, mais devrait le faire. Très bien, je suis d'accord. Et comment tu connais mon prénom? Ouais, ça fait longtemps qu'il est sur la chaîne. J'ai plus, je commence à bugger, moi, en ce moment. Donc, j'ai mon cerveau qui me lâche. Ah si, je passe, mais de travers. J'espère que tu n'as pas trop ton bâtiment. C'est Manu qui l'a monté, donc s'il s'écroule, il s'écroule. Il sera comme Manu, il tombera pas de haut, quoi. Ça dépend s'il y a des gamins qui le poussent dans les escaliers. Aussi tu passes toi. Ouais. Ouais c'est bien fait son métier. Ouf. Bah il a pris des trucs les machins en collision. Les murs en collision que t'avais mis dans ton. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Bah non c'est des betteraves. Non mais, putain de papy titan au gars. Oh là là, on dit... Putain, je vais avoir le mal de mer, moi, là-dedans, je vais gerber. Je vais voir ce qu'ils font, là, parce qu'il paraît qu'ils tangent, alors. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, mais il te copie jusqu'au bout, le Flo. Il a même pris le même truc que toi. Non, c'est pas la même chargeuse. Ah non, c'est une JCB, lui. C'est une JCB qu'il a. Et le black, non, c'est beau, je vais mettre ma tire ensemble. Juste de passage, bonjour à tous, et paf, le pouce. Merci, mon Draghi, comment tu vas? Merci, Draghi. En tout cas, ta chargeuse pour tasser des silos, papy, c'est juste merveilleux. C'est top.
Je voulais être surpris l'autre jour. On l'a mis sur la carrière à Katia. J'ai fait des silos comme tu m'as appris. C'est bien ouais. Droit, t'sais, en prenant l'auto-chargeuse pour aller dans les petits trous à la main. Ça fait des beaux silos. Toi, même chez Katia, tu restes sur le jardinier, tu fais tout à la main. Oui, non, mais c'est oui, Siana. Mais y a pas ça. Oh la vache! Oh la vache! Oh les coups de lac que je prends, c'est horrible. Y a pas 600 000 ici quand même. Si? C'est pas du tout. Obligé d'enlever les roues jumelées, je pense pas. Ouf! Oh là là là. Pour avoir, ça se trouve. C'est horrible. Ça se trouve que c'était 300 000 sur tout ce qui était par terre de deux côtés. Moi aussi. Quoi? Ah, je parlais pour son père. Hein. Ah. Mais non. J'aime pas, il est pas venu nous voir. Et bisous. Un bisou du cul. Putain, c'est horrible comment je lag. Eh hey, papy, on va pouvoir acheter les Volvo. De quoi, Flo? On va pouvoir acheter les Volvo. C'est vrai? Ouais. Ah, nickel. Mais là, ils sont pas prêts. Qu'est-ce que tu veux faire avec les Volvo? Rien. Bon, on va continuer le chantier de paille. Merci pour les 27 pouces, les amis. Merci, merci. Merci. Un balisto. Un Kinder Bueno. Ah, dans 10 minutes, j'arrête en fait, moi. Je ne regardais pas à l'heure, mais. Eh, ça passe vite. Tu m'étonnes. T'entends, tu t'en sors, Cédric? Oui, je fais de l'engrais sur tes parcelles. Tout ce que tu aimes. Fais du binage. Tu peux pas essayer de parler sérieusement sans qu'on t'envoie une petite tac, allez. Il rebute les patates dans le potager. Prends ça. Non, sinon il est en train de regarder chez le voisin avec son beau matos. Il est en train de rêver. Oh là là la chance. Un jour mon chef sera comme ça. Pas aussi haut, mais on aura grandi. Et on se met des règles prochaine partie ou comment ça se passe? Il y a tous les fous qui sont. Il y a les deux fous qui sont avec leur marque, moi je vais pas pouvoir passer. Si si je m'en vais, je suis plein. Et... Oh, j'adore quand il fait ça. Moi. Et c'était pas le son d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté ce son là sur ce tracteur là aussi. Ah j'adore ce. Fait chier par contre sur mon 8R je peux pas le faire, sur le gros là que j'ai. Allez. Non, le son En fait il y a pas le dossier du son, ça fait pas comme Et papy? Tu vas jouer avec Cédric peut-être. Peut-être que Cédric il arrivera à trouver la solution. Papy, tu mets ce bruit là sur le ouais, Iziki à David là. sur la tondeuse. Je vous emmerde. Ouais, ça ferait un beau bruit si je l'avais sur l'autre Twitter. Ouais. Ah, c'est bon, ça passe. Passe partout. Tu feras gaffe, il y a un gros casque qui arrive, papy. Ouais, 605 vues le short de ce matin que j'ai fait. Putain. C'était pas trop court, hein? Eh, papy, il avait des petits tracteurs. Papy, il avait des petits tracteurs comme ça au départ, hein? Ouais. Bah, si. Et j'ai halluciné déjà sur les coups de 9h quand c'était à plus de 500. J'ai dit, putain, je dis, ça déconne ou quoi le truc là? Ah, oui, c'est vrai que j'ai pris le tracteur qui drift. Ah, mais il tient pas la route. Les bruits de monde sur le track. Non, c'était le bruit du.
Sur le doute. Le doute. Je sais pas si t'as vu, papy, j'ai fait une mise à jour sur l'autre serveur. Non. Sur quoi? Sur mes poils. Sur mes... Ah, faudrait que je regarde ça. Il y a une énorme liste. Ouais. Ouais. Et tout. Bah, ça va être le serveur qui va servir pour ce que je vous ai parlé. De toute façon, sur celui-là, je crois que il doit y en avoir à refaire des mises à jour, il me semble. Faut que je regarde. J'aime bien que ça soit assez à jour, moi, comme ça. Moi, je vais faire pareil, moi, maintenant, parce que... Ah ouais, moi, je l'ai fait au fur et à mesure, comme ça, t'es tranquille. Mais je crois qu'il y a des massés à mettre à jour. Il y a un 8700, je crois, ou puis des petits massés. Mais je voulais être sûr que je pouvais les faire. Il me semblait que tu m'avais dit qu'il y avait des massés, fallait pas y toucher, non? Non, les massés, c'était bon, je crois. Non, c'est bon. Ouais, je sais plus, c'était... Non, les massés, normalement, c'est bon. Non, bah, c'est... Je verrai ce soir là. Ouais, l'autre serveur, ça va être pour ce que je vous ai parlé. Ouais. T'as envie de ça où dans le machin Zekalaben là? Ouais. Tout va pas y aller par contre. Je sais pas. Ah Non, on l'a pas mise la mélangeuse à cochon. Non. Ah mais ouais. Non, bah vas-y, mets ça. Bah, je vais me remplir déjà ma peine après. Hein. Ouais, c'est tout va pas y aller. T'avais trouvé une mélangeuse à cochon? Bah oui, sur Modub, non, il y en a pas une. Il y en a une qui était sortie. Il me semble, mais. Ouais. Faut que je refasse un petit tour, mais il me semble qu'il y en a qu'il y en avait une. J'attaque demain après-midi hein, sur l'autre serveur. Mais. D'accord. Mais sur mes poils, on va pas y retourner? Bah, si, mais faut attendre que l'autre cruche rentre. Ouais. Ouais, parce que moi, elle est quand même bien cette partie-là. J'aimerais bien y retourner. Moi. Ouais, il y en sonnera. Il faut que Cédric il aille faire un tour aussi dessus, qu'il nous dise ce qu'il en est. Sur mes poils. Par contre, 66 000 litres au cul, ça pousse. Je m'étonne. Donc là, vous avez déjà pris 132 000, si je me trompe pas. Ouais. Après, est-ce que quand Manu va rentrer, il va jouer à farming ou pas? Je sais pas. Bah ouais, faut qu'il nous dise, parce que si on attend pour rien, en fait, il ne... Ça va. On laisse en stand-by, c'est tout. On rachète sa ferme. C'est pas, il y a un bout de temps qu'on a eu des nouveaux. Il est venu sur le chat? Il est passé en vocal tout à l'heure. Il est passé? Ah, cool. Puis ça va, sinon? Oh, il est malade. Il est malade? Ah, merde. Il a mangé trop de chocolat, il a mal au ventre. Encore? Ah, c'est Manu, hein, sa gourmandise. Il sait que son estomac, c'est pas terrible, et puis... Après, je sais ce que c'est, la gourmandise, hein. J'ai des problèmes là aussi, donc... Ouais. Bon, là, j'essaie de les corriger, maintenant, mais... Oxy, qu'on va stocker ça. bah, il existe en autoload des trucs de betterave, je sais pas si tu les as sur le serveur. Je crois pas. En autoload, Ça me parle pas. Attends, je vais regarder un truc quand j'arrive à la ferme. Je crois que le stockage autoload là que j'ai de bottes de. Putain, 73 tonnes. Le pont bascule avec le JD et puis les betteraves. Je crois que celui des Hofberman là, ceux que j'ai là. Ouais, il me semble. Ah non? Je vais regarder les triggers en arrivant. Ah, il marche avec la pulpe de betterave, mais pas de betterave. Je crois que tu peux tout stocker, mais C'est vrai, il y en a de sortie celui-là. De... Ah. Ah, c'est vrai que quand on reprend des rations, on pourra mettre de la paille, hein, on en a au large. Ouais. Oh, t'as de la ferme. Eh, on a gagné deux chargeurs pour aller revendre, puis recevoir des sous, Cédric. Ah, bah allez, vas-y. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Allez, on va voir pour acheter des gros tracteurs. Qu'est-ce que tu vas faire? 300 chevaux sur 3 mètres, ça va tranquille? Ah non, on est en 4! Ouais, je sais pas où je vais. Ça. Tu regardes Flo, non? Tu trouves, non? Non?
Non, je regarde pas. Bah, sur, je regarde pas. En silage, paille, paille. Ah, c'est des betteraves sucrières. Attends, je sais déjà où on peut déjà en stocker. Des betteraves sucrières, sucrières coupées aussi, sur les miens. Ah, c'est ça, tout est coupé. Je les ai pas, déchargés. Et vends ta moissonneuse, ça va faire de la place. C'est quand que tu vends ta New Holland que je la rachète, au fait, papy. Et tu voulais pas une planteuse, David, non? Moi, j'en ai une. En 9... Ah bah, de toute façon, elle y est plus en promo. J'avais vendu la mienne en 9 mètres. J'ai la mienne, elle est en 6 mètres, celle que j'ai. Non, là, ce que je veux, c'est une plus grosse moissonneuse. Plus grosse moissonneuse? Ouais. Attends, ils vont la tienne. Tu m'as dit que tu voulais vendre ta New Holland par un temps. Ouais, elle va partir. Bon, le problème, c'est que avec le nombre d'heures que tu lui as mis, à mon avis, elle va pas se vendre cher. Non. Pourrait bien. Voilà, on a de la paille au là. T'as vu où j'ai... Non, t'as pas vu où j'ai vidé, Flo? Ça, j'ai un bug là. Non, je suis reparti dans les haies, ils sont. Puis mes clôtures, ils sont au sol aujourd'hui. Hier, ils étaient tout en... tous en l'air. C'est la magie des 5 crosses. Oh, hier, ça déconnait hier soir. Ouais. Hein, Flo? On pouvait plus mettre nos ouvriers. Ouais, on a fait de la merde hier. Non, et ce midi. Ce midi, ah tu l'as coupé ce soir. Ouais, tu l'as coupé. Midi, je l'ai fait, puis je l'ai même, j'ai même fait réparation tout seul. Ce midi. Ouais, moi j'ai juste fait le coup, j'ai juste éteint et rallumé. Bon bah voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Comme d'habitude, une bonne après-midi. Je suis avec le tracteur, Florian. À droite. Fumier. Je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine et week-end. On se retrouve lundi en live pour ma part. Activez vos cloches chez Flo pour voir des lives en direct de la ferme les matins ou des shorts. La chaîne La Papy aussi, maintenant. Voilà. Romain va suivre derrière, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis voilà, ce week-end, il y aura la TFB en live, il y aura Screed 76, il y aura l'Inc du 80. Il y aura plein de personnes. Activez les petites cloches, les amis. Et puis voilà, merci Cédric de m'avoir aidé cet après-midi, de m'avoir supporté. Ouais, ben, j'essaierai de te supporter encore un peu. Ouais, bah. Merci à Flo et Papy d'avoir été aussi là. Ça fait plaisir de jouer avec tout le monde, là. Ça fait du bien. Avec plaisir. À plus. À plus dans le bus. Bisous, les amis. Ciao. Allez, à plus. Ciao. Ciao.